Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Les crop circles sont des phénomènes qui se produisent de partout dans le monde. Ce phénomène qui reste aujourd'hui inexpliqué apparaît sous forme de cercles concentriques, géométriques, symétriques et parfois même avec de la fractalité dedans, mais reste toutefois codé. Ces cercles apparaissent le plus souvent dans des champs de blé, des collines, mais aussi dans des déserts. Ces cercles apparaissent d'un jour à l'autre. Vous vous réveillez le matin, si vous vivez au bord d'une colline, et vous voyez, ces cercles apparaissent d'un jour à l'autre, comme ça. Qui donc produit ces cercles? Pour parler de ce phénomène étrange, du moins pour continuer à en parler, j'ai invité une fois de plus à Jean-Michel Raoult, qui a étudié de très près ces phénomènes. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Hervé, comment tu vas? Ça a l'air correct, ça va, on espère que ça va pas couper, mais ça va, il y a des petits problèmes. Voilà. Il y a des petits problèmes de réseau ce soir, mais bon, on va voir. J'espère que ça va pas couper. Alors, donc, on s'était arrêté donc la dernière fois sur le. On va continuer à voir le phénomène des crop circles. Je te laisse continuer. On s'est arrêté donc à qui, comment, pourquoi. J'espère que mes auditeurs ont un peu cherché de leur côté. Oui. Et voilà, je crois que toi, t'as pas mal de news sur ce sujet aussi. Il faut, alors, à la fin de l'interview, il y aura une petite annonce. Hein, je te laisserai en parler aussi. Donc, on va terminer. J'espère qu'on va pouvoir terminer ce diaporama ce soir. Oui, comme oui, ça, oui. On passera à d'autres sujets intéressants. Hein. J'espère que je vais pouvoir enfin attaquer la Terre creuse avec toi, peut-être les humides, oui. La géométrie sacrée, etc. etc. Je te laisse parler, hein, si je te laisse... Pas de problème, Hervé, je te remercie. Oui, on va le finir, c'est sûr qu'on va le finir ce soir. On va mettre à peu près une heure et quart, d'accord. Mais on va le faire. Alors, qui commence quoi, bien sûr? Alors, je rappelle que je ne détiens aucune vérité, bien sûr. Dans tout ce que je vais dire, je le dis souvent, moi, dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai. Rien n'est vrai, mais il se pourrait que certaines choses soient avérées. Il faut bien sûr les étudier. Alors, le meilleur moyen pour répondre à tout ça, c'est de participer ou d'être témoin. D'être témoin d'un de ces phénomènes, que ce soit un phénomène ovni, ou que ce soit un phénomène de notre nature, paranormal par exemple. Bien sûr. Il est très difficile d'en parler ou d'essayer de démontrer aux gens que ça existe si on n'est pas témoin. Quand la personne en est témoin, si le phénomène laisse des traces, on peut étudier des traces, mais si le phénomène ne laisse pas des traces, par exemple comme dans les phénomènes paranormaux, ben, on est parfois la même personne qui a assisté au phénomène, doute elle-même aussi de ce qu'elle a vu. Hein, à un moment donné, elle peut se dire, j'ai rêvé, j'ai une hallucination, ainsi de suite. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas reproductibles en laboratoire. Donc, on peut pas. Généralement, ça arrive une fois, et bon, il faut voir toutes les données. Tout le monde n'a pas forcément aussi la méthodologie pour faire prendre des mesures, voilà. Donc, c'est pas facile. Alors, les crop circles font partie des phénomènes qui laissent des traces. Dans ces crop circles, il y a différentes approches, hein. Elles s'excluent pas les unes des autres. Il faut tenir compte de l'ensemble du programme. C'est un phénomène extrêmement complexe. Alors, ce soir, on va pas lever le voile, bien sûr. On va simplement étudier ça d'une certaine façon. Mais, je ne parle pas aux gens qui veulent faire au lieu. C'est parfois d'aller sur les lieux où il y a des crop circles. Alors, on peut pas tout forcément y aller. Hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a eu en France aussi, hein. Il y en a eu du côté de l'Alsace. Il y en a eu 5. Sur quelques années. Moi-même, je suis allé voir le restant d'un crop circle qui est apparu l'année passée, du côté du Mont Saint-Odile, par exemple, là-bas. Et d'accord. Donc, il reste des traces de rémanence qu'on peut voir. Alors, il y a des publications qui sont faites dans les journaux, bien sûr. On pose toujours la question, toujours la première analyse. Vous savez, les gens disent oui, mais c'est quelqu'un qui les fait. Ah, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui les fait. Voilà. Il faut être balèze. Voilà. Il faut pouvoir les étudier. Alors, bien sûr. Si on peut les étudier avant que le paysan coupe la luzerne, le blé ou le maïs, ça c'est ça. Je pense qu'avec même une équipe de 20 personnes, on n'arrivera même pas à faire des formes géométriques comme celles qu'on voit sur les crop circles. Voilà, comme tu le dis, il faut étudier. Bon, je dis souvent aux gens,
Vous savez, moi j'ai, nous avons fait des un petit peu des pratiques de géobiologie. Un jour, j'ai pris des personnes, on était 10, oui, 10 à peu près. Ouais. Nous sommes allés, il faisait beau. Un magnifique temps, dans un pré, voyez, un Ouais. pré, un chat, tranquille, tout plat. Il n'y avait Ouais, pas ouais. d'herbe, c'était coupé ras. On a pris une boussole, on a pris de la corde, on a pris des équerres, des grosses équerres, on a Ouais. pris un décamètre, et avec ça, on a voulu tracer un carré. Un carré qui faisait 7 mètres 20 sur 7 mètres 20, ce qui est plus D'accord. simple, c'est. Et Bien bien, sûr. on était 10, et on a mis 2 heures. Et à la fin, après avoir tracé le tracé, le carré, on avait un écart de 30 cm en réalité sur les D'accord. mesures qu'on avait fait. Et c'était 7 mètres 20. Pour te dire D'accord. que si on n'a jamais fait d'arpentage, les gens ils croient que c'est facile, mais c'est rien de facile du tout. Il Mais n'y a ouais. qu'à faire un test dans les meilleures conditions, en plein jour, sur un champ où il n'y a pas où il n'y a pas de déclivité, t'es plat. Bien 10 sûr. personnes, avec tous les outils, on n'est pas arrivé à tracer d'un premier coup un carré de 7 mètres 20. Alors, quand on pense que les crop circles font des centaines de mètres Eh sur des oui. terrains qui sont souvent pas plats du tout, Bien sûr. avec les perspectives, où il y a zéro erreur, parce que si Bien sûr. on a peur, on peut la corriger, mais quand on courbe du blé, de la luzerne, eh bien, si on la courbe mal, on ne peut pas la redresser. Donc Bien l'erreur sûr. reste, parce que l'erreur est visible. Bien Donc, vous sûr. voyez, voilà. Donc, c'est tous les paramètres que la plupart des gens n'ont pas l'habitude. Mais Et pour ça. c'est clair. Moi, je te répète un peu comme la dernière fois là, sur l'interview qu'on avait fait en septembre. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux crop circles, j'ai pris des papiers, tout simplement, des compas, des équerres, tout ce que tu veux. Je te jure, même sur papier, à la main levée, c'est très compliqué. C'est complexe. À certains, j'ai repris, j'ai trouvé d'où ça partait, c'est-à-dire d'où tu commences à tracer ce cercle. Mais je te jure, c'est complexe, c'est compliqué. Il fallait un rapporteur, il fallait que je calcule la moitié de machin, la moitié du segment, la moitié de truc. Et ça, tu sais, à l'époque quand j'étais petit, j'avais, je sais plus comment ils appelaient ça. Je crois qu'ils appelaient ça rotomania ou j'en sais rien. C'était, tu mettais le stylo dans un truc en plastique et tu tournais, ça faisait des formes géométriques comme ça. Alors imagine-toi dans des champs. Ça c'est voilà, chercher l'erreur, chercher l'erreur. Déjà, comme tu le dis, le dessin est complexe. Et tu l'as dit, j'ai un ami qui a étudié ça, qui est un dessinateur, un Ouais. dessinateur industriel. Il a, grâce à des programmes informatiques, il a simulé la construction de certains dessins. C'est D'accord. hallucinant Et bien sûr. le degré de construction qu'il faudrait faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire d'un coup, quoi. Et on est Ouais, obligé de ouais. passer par des traits de construction. Et le problème des crop circles, c'est que les traits de construction, on ne peut pas les effacer. Alors, sur un dessin, lorsqu'on a fait des traits de construction, on efface les traits de construction et on garde le dessin. Mais là, on ne peut pas le faire. Parce que Bien si on met sûr. des traits de construction, ça se voit. Bien Donc, sûr. on a des choses comme ça que la plupart des gens ne savent pas. Alors, ils pensent que. La deuxième chose, c'est que les crop circles, en réalité, en manière générale, lorsqu'ils sont fabriqués, il faut savoir que l'herbe, que ce soit le blé, le maïs, ou que ce soit le Ouais. colza, par exemple, il y a aussi le cas, eh bien les tiges ne sont pas cassées. Donc elles sont courbées et pas cassées. Et ça, c'est pratiquement impossible. Non, je ne dis pas pratiquement, c'est impossible. Et j'encourage les gens de le faire, que lorsqu'on voudrait écraser de l'herbe pour faire le dessin avec des Ouais. plantes, on est obligé de casser les tiges. Elles ne Bien peuvent pas sûr. se courber parce qu'elles se courbent, elles se redressent. Donc il faut les Ah, casser. bien sûr. Donc, et quand on va sur les crop circles, moi-même j'y suis allé et j'ai vérifié ça, mais les tiges ne sont pas cassées, c'est impossible. C'est impossible de faire une empreinte sur de l'herbe, sur un végétal, sans casser la tige. Et c'est une caractéristique des vrais crop circles, on peut dire des crop circles qui sont faits par une autre méthode que d'écraser avec une planche, ça on peut dire, eh bien, les tiges ne sont pas cassée. Elle repousse, elle continue, la plante est vivante encore, elle continue de vivre et elle se redresse au cours du temps en cherchant le soleil. Il y a un D'accord. phénomène de développement. Donc, c'est pas du tout cassé. Et ça, c'est ignoré par les gens. Donc, vous voyez, toi, il faut étudier ça. Et il y a d'autres rapports. On Ah, pourrait bien rajouter sûr. des paramètres qui, lorsqu'ils se rajoutent, eh bien, arrivent devant un phénomène qui est pas du tout explicable de la façon dont nous avons l'habitude. Voilà. C'est ça qu'il faut. Pour moi, il y a plein de paramètres qui jouent dans ce sens-là.
Alors oui, bien sûr. Alors bon, moi, à la fin, j'aurai plusieurs questions quand on aura fini le diaporama. Mais juste une question comme ça d'entrée de jeu. Est-ce que qui, parce que moi aujourd'hui encore, je me pose la question, qui produit ces cercles? Est-ce que ça a à voir avec une certaine forme d'entité INH avec qui tu traites toi sur d'autres cas? Alors, je ne peux pas être formel. Il y a des choses que je peux être formel en tant que scientifique, si tu veux. Ah, ou parce que j'ai assisté. Moi, je suis allé aux États-Unis, en Angleterre, Angleterre, et j'ai assisté à deux crop circles qui ont été faits pendant que j'y étais. Je les ai étudiés avec un ingénieur qui était avec moi. On a fait des tests. J'ai même fait une vidéo où on nous voit faire les tests. Donc, en réalité, j'ai étudié plutôt la physique des crop circles. Maintenant, les entités. Alors, les entités, c'est ouvert parce que la question, c'est est-ce que tous les crop circles sont faits pour les mêmes entités, on ne sait pas. Déjà, hein, est-ce qu'il y aurait, voilà. Déjà, donc, toi, il y a beaucoup de réponses, Bien de sûr. questions à se poser, mais disons que ce que nous avons, nous, dans nos recherches, c'est que nous avons un équivalent qui se fait avec des églises, par exemple. On s'est remarqué que certaines chapelles, certaines églises pouvaient, lorsqu'on les reliait d'une certaine façon, faire apparaître des dessins. J'explique pas, je te donne des cas. Ensuite, on est allé plus des mégalithes. Des mégalithes, l'implantation de certains mégalithes, des menhirs, des dolmens, ne sont pas faits au hasard non plus. Ils appartiennent à un réseau. Bien sûr. Et quelque chose encore plus étonnant, et là, attention, je dis parce que ça c'est vérifiable sur des cartes, il se trouve que certains sommets de montagne, lorsqu'on les relie d'une certaine façon, font apparaître aussi des messages, un petit peu comme les crop circles. Donc, alors on peut se poser la question pour les chapelles et les menhirs d'Omer, on peut toujours dire que c'est des hommes qui les ont mis là, mais on ne sait pas expliquer pourquoi ils ont fait ça. Mais les montagnes, on a un gros problème avec ça. Les inscriptions de schémas, de formes, de dessins géométriques ne sont pas que l'apanage des crop circles, comme on pourrait le prendre. Les crop circles, c'est que c'est fait avec du végétal et que c'est fait très rapidement. Alors que les autres systèmes, mais c'est au cours du temps C'est au qu'ils cours du sont temps, ouais, faits. bien sûr. Alors maintenant, qui c'est qui fait ça? Bon, je ne veux pas donner une réponse définitive parce que je n'en ai pas. Ce sont des intelligences non humaines et elles veulent transmettre un message. Disons qu'il faut plutôt s'interroger. Alors, ce qui est important là, je ne crois pas que ce soit qui c'est qui fait ça. Moi, je pense que le plus important, si on veut avoir une vraie réponse, c'est qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Quelle est la teneur du message? Je crois que c'est ça que ça, on peut le voir, on peut le décrypter. Par contre, qui sont-ils? C'est trop complexe C'est et on n'a complexe, pas de ouais. certitude. On va, On n'a pas de certitude. Voilà. on va dire que pour le moment, c'est trop complexe pour en parler. On verra au fur et à mesure, bien sûr, hein, Jean-Michel, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je suis de toute façon d'accord avec toi. C'est assez complexe et bien sûr, alors c'est bien que tu as fait une parenthèse. On verra par la suite parce que bon moi je te répète un peu comme la dernière fois, c'est quelqu'un qui m'impressionne. T'as réussi à décrypter, à décoder en reliant des sommets de montagne et des églises, certaines formes géométriques, certaines figures. Bon, on en parlera petit à petit, mais c'est bien que tu aies fait avec mon public une première approche de ce qui est la géométrie sacrée et de ce que tu as découvert durant. Durant toutes tes années de recherche. C'est incroyable. Donc, moi, j'ai hâte d'attaquer ça avec toi. C'est ça qui. Bien Non, sûr, non, bien sûr. c'est hallucinant. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'ai appris, je l'ai appris avec toi, ça. Je me posais toujours des questions hein, vis-à-vis des pyramides. Enfin, maintenant, j'ai un peu plus de réponses aujourd'hui, bien sûr. Mais tu as complémenté mes questions que je cherchais. Que je me posais et en parlant de ça. Et maintenant, je me dis, rien n'est fait au hasard. Voilà. Alors, il se fait au hasard, Harvey. Alors, on pourrait dire, oui, mais à quoi ils servent ces messages? Quelle est la teneur de ces messages? Je crois que c'est ça qui est important. Alors, bien sûr, en étudiant la teneur des messages, on pourrait faire un petit peu comme Sherlock Holmes, en étant très observateur, en faisant des recoupements de données, en analysant tout ça. On pourrait se mettre peut-être sur la trace de qui c'est qui les fait. Mais ce serait toujours une recherche, si tu veux. On ne peut pas asséner une vérité en disant c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Donc, mais ça pourrait être une forme de pédagogie d'apprendre à reconnaître en fonction de la teneur du message, peut-être ceux, entre parenthèses, qui pourraient les mettre. Mais ce que je voudrais rajouter en continuant après, c'est que, mais à quoi ça sert de décrypter ces messages? À quoi ça nous sert? Mais il se trouve que les messages, en faisant des regroupements de données,
je parle pas de tous les messages, mais une certaine partie des messages des crop circles, dans tous les pays, je parle, hein, pas forcément qu'en Angleterre, hein, tout les pays confondus, il se trouve que les messages qui ont été donnés, qui sont des messages qui sont souvent géométriques, mais qui sont aussi des dessins, ce sont pas forcément toujours de la géométrie sacrée. Il y a eu des phrases aussi, il y a eu des tas de choses. Il se trouve que ils sont reliés d'une certaine façon aux messages que nous avons trouvés avec ceux des chapelles, avec des mégalithes et aussi avec des montagnes. Ouais. Et il se trouve que ces messages ne sont pas destinés à quelque chose de très lointain qui va dans le futur. Pas du tout. Ces messages s'adressent à ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont totalement d'actualité. On peut utiliser ces messages, ces informations dans ce que nous vivons actuellement. Et tout le monde s'est aperçu quand même que les civilisations de la planète Terre sont en train quand même dans un grand changement, que ce soit financier, social, politique, scientifique et à d'autres domaines. Tout est en train de se mettre à changer. Et bien ces messages nous parlent de cette transformation. Donc c'est quelque chose de tout à fait d'actualité. Ce n'est pas des messages anciens, ce n'est pas des messages pour le futur. C'est quelque chose d'actuel. Et c'est ça que je crois que c'est, qui est intéressant de s'y pencher dessus. Quoi. Voilà. Tout à fait. Donc juste pour finir là-dessus, on peut dire que c'est des entités, donc des INH non humaines, mais qui nous veulent du bien, quoi, ou qui veulent prévenir. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ils s'inquiètent pour nous. C'est ça qui. Oui, Hervé, bien sûr que si c'était des intelligences non humaines qui seraient des prédateurs, tu crois qu'ils s'amuseraient à faire des dessins dans les champs tu crois qu'ils viendraient, puis ils feraient l'invasion, et puis c'est fini, c'est la guerre des mondes. Donc, c'est clair. Donc, on voit que cette stratégie de communication, il y a une bienveillance. Bien sûr, c'est inscrit dans le message lui-même de la procédure, si tu veux. Hein, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Ben voilà, donc, de toute façon, Je répète un peu ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc à la fin, après le diaporama, je te laisserai annoncer quelque chose pour le mois de mars qui est énorme. On reviendra dessus après, où justement on en parlera de ces choses-là. Donc on va pas tout dévoiler comme ça d'un coup. Sinon il y en a qui vont pas réussir à dormir la nuit, hein, un peu comme moi. Et donc, on va, pour le moment c'était une approche, mais à la fin de la vidéo, donc avant la fin de la vidéo, tu annonceras quelque chose et je suis très contente d'être avec toi pour cette annonce qui va se faire au mois de mars. Voilà, donc pour le moment on va rester sur les crop circles. C'est pour ça, mais c'était bien de les remettre dans un cadre beaucoup plus vaste. Bien sûr. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là, non, pas du tout, c'est un phénomène de masse, c'est un phénomène de très large amplitude dont les crop circles font une partie du message, mais il y a d'autres parties ailleurs et tous les messages sont cohérents. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre pour remettre ça dans un contexte. Il faut l'analyser dans un contexte de transformation de la conscience. Et c'est ça qui donne la valeur. Sinon, c'est un épiphénomène de la société où les gens ne s'intéressent pas. Mais au contraire, on devait s'y intéresser parce que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas fait que pour les gens qui sont des chercheurs. C'est fait un message pour tout le monde. Alors, je voudrais parler aussi de comment ça pourrait se faire, ces crop circles. L'analyse que j'en ai faite, parce que moi, je suis allé en 2006 dans le sud de l'Angleterre. C'était au début du mois de mai. Et j'ai assisté à la présence de deux crop circles qui étaient juste faits quand on y était. Et un de ces crop circles était à peu près très simple. Et nous avons vu en passant sur l'autoroute, on a vu dans un champ ces formes qui sont apparues. On s'est arrêté et c'était difficile pour nous de trouver, de quitter l'autoroute, de trouver la route pour aller sur le champ et tout. Mais on est arrivé. Et quand on est arrivé, c'était à l'époque, c'était du colza, parce que c'était au mois de mai, c'est le colza qui pousse. D'accord. Dans le colza, à ceci d'intéressant, c'est que les tiges sont beaucoup plus grosses que la luzerne ou le blé, par exemple, hein, puisque c'est au mois de mai. Et donc, nous sommes rentrés dans le champ et ça a abîmé le champ en suivant des petits chemins qu'il y avait. Nous avons pu arriver. Alors, c'était trop simple, c'était deux cercles, un grand cercle et un petit cercle à côté. C'était très simple. Et on s'est mis à analyser. Et je trouve que le colza qui avait poussé, on a bien vérifié qu'il n'y avait pas de traces qui avaient été laissées par des gens qui étaient venus faire le crop circle. Il n'y avait aucune trace. On était les seuls à avoir découvert le crop circle parce que, d'après moi, il n'avait pas été visité. Il n'y a aucune trace de présence. Et
Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une vidéo et j'ai fait l'expérience devant la vidéo. Donc, dans la D'accord. vidéo, on le voit. J'ai mon ami qui était ingénieur en sciences nucléaires qui était là. Et D'accord. j'ai dit, écoute, tu vas. Et on voyait qu'il y avait une tige de colza qui était à peu près épaisse, plus épaisse, ouais. Un peu comme ouais. un index. Tu ouais, vois. Ouais, 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 ouais. Et c'est très rigide le soja. Ouais. Le soja, oui, c'est le soja, oui. Le ah, colza, oui, pardon. Le colza, oui. Ouais. Le colza. Ouais, ouais. Et donc, une des tiges était courbée très près du sol, tu vois. C'était, ouais. Il n'y avait même pas un centimètre, il y avait une courbure très importante. D'accord. Et donc, j'ai dit déjà, ok. Alors, on a pris, devant moi, il a pris la tige de colza, il a tordu, puis à un moment donné, elle a cassé net. Elle a cassé net dans sa main. Et en réalité, on démontre qu'il est impossible de courber une tige de colza comme elle est très, très près du sol déjà, ouais. Déjà avec la main tu pourrais même pas le faire parce que si tu utilises une planche elle aurait cassé net, donc bien ça sûr. Montre bien avec le colza que la tige était courbée, vraiment bien courbée à la base, mais qu'on n'aurait pas pu la courber de façon mécanique. Pourquoi? Parce que là il y a une rupture du colza qui fait que à un moment donné un degré d'angle de courbure il casse, donc ça démontrait bien. Alors comment on peut, comme il y avait des dessins, on se disait mais comment ils ont fait ça? En réalité l'explication, on pense que l'explication la plus simple, c'est un rayonnement d'ondes micro-ondes de très forte puissance. Lorsque ces ondes micro-ondes rentrent dans le végétal, ils chauffent à très haute température les fluides qui sont à l'intérieur, les pores se dilatent du végétal. Ah, ouais, d'accord. Le végétal se couvre lui-même sous le fait de gravitation. D'accord. Dès qu'on a, il monte à température, si tu veux. Ouais. Et hop, sous l'effet de la gravitation, la tige se courbe. Dès qu'on arrête le flux de micro-ondes, le végétal refroidit, les pores se referment et la tige est courbée et ne bouge plus. D'accord. Donc, en réalité, si tu veux, alors vous direz, mais comment faire arriver un flux de micro-ondes comme ça? Bien sûr, ce n'est pas une technologie qu'on connaît actuellement, c'est clair. Mais voilà, oui, parce que alors voilà, tu vas me dire, oula, mais ça va loin, on peut chercher loin. Moi, je vais te poser la question, et qui envoie ces ondes? Voilà, non, mais on s'arrête jamais, hein, voilà. Mais tu sais, alors je vais te dire, bon, pareil, tu vas dire que je prends des références un peu à droite à gauche, mais tu l'as vu le film Thor? Ou le deuxième. Oui. Tu sais, quand il apparaît sur Terre comme ça, ça fait un espèce de crop circles aussi. Ouais. C'est un peu de la même façon en fait. Oui, c'est l'effet. Ce sont des micro-ondes pulsantes à très haute énergie. Et en réalité, ils se servent. En réalité, les dessins des crop circles ne sont pas faits comme nous on dessinerait. C'est comme un tampon, si tu veux. Oui, ouais, un tampon. Ouais, le flux, ça descend et ça tamponne les végétaux, c'est fait comme un tampon. C'est pas construit, c'est pas un compas, c'est une empreinte, si tu veux. Ouais, une empreinte, ouais, d'accord. C'est formé dans le faisceau des micro-ondes, et lorsque les micro-ondes s'approchent, les végétaux, si tu veux, ils prennent l'empreinte du dessin qui est envoyé, qui est encodé dans le schéma des micro-ondes, si tu veux. D'accord. Tu vois c'est probablement comme ça. Okay. Alors, la seule vidéo qui peut montrer comment c'est fait, bon, certaines personnes la remettent en doute, bon, on fait comme eux. Dans une vidéo qui est sur Internet, on voit à un moment donné deux boules de lumière qui circulent dans un champ et qui font apparaître des dessins. Même si la vidéo, admettons, c'est une très bonne méthode pour montrer comment ça pourrait se faire. Les boules émettaient des micro-ondes et en réalité, elles, en passant dessus, elles donnent l'empreinte du dessin. Bien sûr. Justement, tu lis dans mes pensées parce que j'allais te poser cette question. J'allais te la poser peut-être un peu après, mais j'allais te la poser parce que effectivement, pour les auditeurs qui sont intéressés, il existe une vidéo où on voit donc deux boules de lumière, effectivement, enfin deux boules, je sais pas si c'est deux boules de lumière, je m'en souviens plus très bien, et ils tournent, donc ils passent, ça tourne et ça produit cette espèce de tampon que tu dis, et voilà. Mais alors, cette vidéo, moi je me rappelle-toi Jean-Michel, elle a quand même quelques années. Donc, moi je me rappelle, elle a plus de 10 ans cette vidéo. Et effectivement, c'est la seule vidéo où on voit des crop circles qui sont en train de se faire. Et moi je me rappelle, c'est à l'époque, je commençais à avoir internet, je commençais à avoir de la DSL, je crois, je sais plus. Pour te dire, je pense qu'à cette époque, on pouvait pas truquer les vidéos comme ça, quoi. Donc là, encore une fois, si on utilise la logique, voilà. À la limite, je passerai la vidéo à la fin de l'interview pour que les auditeurs voient
la vidéo à quoi ça ressemble. Mais pour moi, en plus, je me rappelle qu'elle n'avait pas une très bonne qualité. Donc, voilà, je pense que. Je sais pas, ça a dû. Je sais pas comment ils ont pris ça sur le vif. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Hein, donc, Ah oui, mais l'histoire disant que ils faisaient une veillée. Ils étaient là, c'est sur la colline, ils faisaient une veillée. Ouais. Et ils pensaient qu'il y allait avoir un phénomène. Ils ne savaient pas. Et puis, dans la nuit, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment. Ben, ce phénomène s'est passé, je pense qu'ils l'ont filmé avec la caméra. Donc c'était des gens qui étaient sur place, un petit peu comme certains qui font une veillée pour les ovnis ou pour d'autres choses. Ouais, ouais, ils étaient sur place, hein, ils n'ont pas été pris de coup. Ils se relayaient. D'accord. Et à un moment donné, ils ont pu observer ça, ils ont fait le film. Donc je pense que c'était des gens qui étudiaient le phénomène. Quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, voilà, c'est bien parce que j'allais te poser cette question justement, donc ça tombe bien. Voilà, on est vraiment connecté là ce soir, Jean-Michel. C'est bien, c'est cool. Non, mais c'est cool. C'est cool, hein. Voilà. Alors, on va faire des hypothèses. On va essayer de voir les hypothèses. Ouais, ouais. Bon, les différentes hypothèses, il y en a d'autres, elles ne sont pas exhaustives. Bon, à ce niveau-là, il y a eu des précédents, bien sûr. C'est les fameux pistes de Nazca. Les pistes de Nazca, on sait dans le désert des Nazca, qui se trouve au Pérou. Ouais, ouais, ouais. Au sud du Pérou, et où c'est un désert les plus arides du monde. Il y a des centaines de dessins qui ont été faits. J'y suis allé, nous sommes allés aussi, une équipe de recherche là-bas, nous sommes allés. Et on en découvre encore actuellement des nouveaux dessins. Ouais, et là ouais. aussi, personne n'a résolu l'énigme des pistes de Nazca, des dessins de Nazca, vu qu'ils ne peuvent être vus qu'à une certaine altitude. Et voilà, et que c'est très difficile de fabriquer ces dessins-là de façon régulière, surtout qu'il y a des particuliers. Alors, personne n'a résolu l'énigme des Nazca. Il y a des hypothèses, bien sûr, des archéologues, ceci, cela. Bien sûr. Surtout qu'il faut se rappeler quand même que là-bas, moi j'y suis allé, il y a des légendes, entre parenthèses, qui disent que ben, il y a, dans les époques reculées, il y avait des êtres qui venaient d'ailleurs. Et il faut savoir que c'est très intéressant, c'est que les pistes de Nazca, je l'ai appris là-bas, et je l'ai même vues, elles sont très riches, le terrain est très riche en magnétite, c'est-à-dire en aimant naturel. D'accord. Et donc, c'est vraiment une des mines les plus, à l'époque, une des mines les plus puissantes de ce minerai de fer magnétique, si tu veux. Et d'accord. certains disent que ça a pu être utilisé pour des visiteurs venus d'ailleurs, car en réalité, il y avait des bases, voilà, des bases, on peut dire, hein, voilà, dans ce cas-là, et que c'était relié ce magnétisme. Et c'est vrai que moi-même, à un moment donné, j'ai un aimant avec moi, je l'ai posé sans faire attention sur le sol, et quand j'ai repris l'aimant, il y avait de la magnétite collée à l'aimant. Donc, un magnétisme, c'est très très riche. Alors, les pistes de Nazca, c'est un petit peu des crop circles, mais c'est plus des crop circles, c'est des il y a trop de temps. Parce que les Nazca, c'est une civilisation qui remonte à 3000 ans en arrière déjà. Ils ont fait ces dessins, sauf le fait qu'ils ne peuvent être vus globalement, c'est vrai, et c'est très grand, très grand, que à altitude. Que en altitude, voilà. Chercher l'erreur encore une fois, voilà. Donc, et surtout que là-bas, des grandes collines, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Parfois, il faut s'intéresser à l'utilité de ces choses-là. Personne actuellement sur Terre fait des dessins dans un champ pour le plaisir de faire des dessins dans un champ. Il faut avoir une grande utilité pour s'investir, surtout qu'il y en a des centaines. Il n'y a pas il y en a des centaines. Et parfois très complexe, voilà. D'accord. Donc voilà, donc on pourra voir quelques images, tu verras. Mais c'est, je te dis, on a fait encore, il y a pas longtemps, on a encore découvert. Pour te dire que beaucoup, hein, vraiment, c'est important. Alors ça. Alors dans d'autres hypothèses, on peut se poser la question, quand est-ce qu'ils sont arrivés? Voilà, on a vu que les pistes de Nazca, ben il y a 3000 ans. Il y a un exemple vraiment écrit, hein, c'est un document qui remonte au 15e ou 16e siècle, je ne sais plus, où on explique qu'il y a eu des dessins dans un champ qu'on a vu apparaître, et bien sûr à l'époque, on a accusé le diable. C'était le diable qui faisait des dessins, et là on a un petit extrait d'un vieux bouquin où on voit un diable qui est en train de... Alors ça on l'avait vu la dernière fois, hein. C'était en début du diaporama, on l'avait vu, Voilà, donc c'est parce que c'était une explication avec l'époque, parce qu'à l'époque, bien sûr, on ne parlait pas d'OVNI, on ne parlait pas de civilisation extérieure, donc il fallait trouver... Alors, à l'époque, tout de suite, c'était le diable. À notre époque, à nous, au 21e siècle, c'est des gens qui veulent s'amuser. C'est un petit peu, tu vois, il y a toujours l'explication la plus simple qui est là, disons...
c'est des gens qui s'amusent, c'est des gens qui font ceci. Ouais, il y a pas, c'est pas vrai, il y a pas de recherche, ils ont pas. Réponse à n'importe pièce. Ouais. Souvent, les gens me disent, oh, c'est une hallucination. Le seul problème, c'est que les gens ne savent pas que pour avoir une hallucination, une vraie hallucination, il faut avoir vraiment le chercher. Il faut avoir soit de la fièvre, beaucoup de fièvre, et même toutes les fièvres n'ont pas d'hallucination, ou être pris des substances psychotropes. Mais c'est clair. Alors, à temps normal, c'est très rare d'avoir une hallucination. Dans toute ma vie, j'ai jamais eu d'hallucination. Hallucination. Donc en réalité, les gens croient qu'on peut avoir des hallucinations sur commande. C'est pas vrai du tout. Donc en réalité, quand on dit oh, c'est une hallucination ou c'est une fraude, je dis pas qu'il peut y avoir des fraudes, mais c'est pas si on avait la meilleure. Tu sais, moi, ça, j'en ai tellement marre d'entendre ça, sérieux. J'en ai tellement marre que je. Oui, bon, d'accord, ok, c'est une hallucination, t'as raison. C'est moi qui suis fou, comme d'habitude, c'est moi qui suis fou et c'est toi qui as raison et c'est toi qui es intelligent. Bien sûr, c'est toujours la même histoire. Ça me gave parce que, comme toi, moi j'ai eu l'occasion de voir des ovnis. Je veux dire, ça, c'est pas une hallucination, quoi. Ça pouvait pas être un satellite, ça pouvait pas être un avion. Alors waouh. Alors si une personne arrive à voir un avion de loin qui fait des formes géométriques dans le ciel, alors là il faut qu'on m'appelle de suite, que je le filme, parce que là c'est pour moi c'est non mais voilà, il faut dire ce qui est. Moi ça me gave. Les gens ils pensent pas. Je sais pas. Peut-être simplement, Hervé, qu'un manque d'éducation. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens ne connaissent pas les lois scientifiques, ils ne connaissent pas les propriétés des choses. Donc pour eux, c'est simple. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les neurosciences, ils ne connaissent pas les propriétés physiques. Donc en réalité, pour eux, ça semble normal. Mais s'ils avaient de l'information correcte, tout de suite, ils verraient que ce n'est pas possible. Donc, mais comme les gens n'ont pas ça, alors peut-être qu'il ne faut pas leur en vouloir, disons simplement, mais ils ont l'explication la plus facile qui leur vient à l'esprit et qui est une explication qui est erronée. Toute personne qui fait un semblant d'analyse va tout de suite passer à autre chose. Mais c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas ces données. J'ai vu ça autour de moi. C'est un peu notre époque. On est l'époque des scientifiques, on est l'époque où il y a beaucoup de technologie, mais globalement, l'éducation scientifique de base, elle n'est pas très répandue. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui connaissent comment fonctionnent les choses. Donc, c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Donc, si les gens étaient plus éduqués, s'ils avaient plus d'informations sérieuses, ils verraient tout de suite par eux-mêmes que ça ne tient pas la route. Mais ils n'ont pas la réponse. Donc, les scientifiques et les autres, ils ne vont pas dans ce sens. Et bien sûr, ça. Voilà, Jean-Michel, il reste nous. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Non, mais voilà. Ça va arriver. Je suis content qu'on soit là et qu'on en parle ce soir parce que. Non, mais c'est. Voilà, c'est. Ça me dépasse et voilà. C'est pour ça qu'on est là. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Voilà. Alors, une autre explication, Hervé, pour avancer. Ouais. Je passe en revue. Hein, oui, bien sûr. Il y a une explication, vous disiez, certains, c'est les esprits de la nature. De la nature, alors là aussi, pareil, les gens du 21e siècle, ils se disent qu'ils sont rationalistes et donc ils ne croient plus aux fées, aux gnomes, aux farfadets, aux lutins. Il faut savoir que dans les temps anciens, ça faisait partie de la vie courante. C'est-à-dire que, aussi bien que nous avons un téléphone portable actuellement, un ordinateur, tout ça, on ne les remet pas en doute, et bien dans les anciens temps, on vivait avec les fées, les gnomes et les farfadets. Alors, ça a passé de mode parce que la science rationaliste est venue et à bouleverser tout ça, mais ça va revenir, et c'est en train de revenir, parce qu'en réalité, on va voir que plus tard, tous ces phénomènes existent, pas forcément comme on les conçoit, mais ils existent. Alors, est-ce que certains groupes circles ne sont pas été faits par des esprits de la nature? On ne peut pas écarter l'hypothèse. Ouais. Peut-être certains sont les plus simples, ou peut-être, mais ça n'explique pas non plus la complexité des dessins, la complexité des messages. Donc, on ne peut pas l'écarter, on peut dire qu'ils ont collaboré. Voilà. Ils ont peut-être collaboré d'une certaine façon à ces dessins, mais ce n'est peut-être pas eux qui les font intégralement. Mais l'hypothèse n'est pas à rejeter parce que on va revenir plus tard dans le futur, on verra que notre futur, je pense, c'est une opinion personnelle, retourner vers plus l'imaginaire, vers le monde de la féerie, et que la science, grâce à la mécanique quantique, grâce aux découvertes actuelles, va
petit à petit pénétrer ces champs qui étaient interdits, hautement interdits jusqu'à maintenant. Et petit à petit, on va redécouvrir, peut-être sous un autre visage que le folklore, mais que ces choses-là existent. Donc, on peut dire que les esprits nature peuvent faire partie d'un parti de l'explication. Pourquoi bien pas, sûr. Pas rejeter. Bien sûr, ce bien qui sûr. Est pour Hervé, c'est aussi que le blé ou la luzerne ne sont pas simplement que pliées sur elles-mêmes. Et dans certains cas, et moi j'ai pu l'observer sur le terrain, il y a des tressages qui se font. Les tiges sont tressées, spiralées, et de façon très serrée. Tout à fait. Alors là, alors bien sûr, là, ça écarté l'hypothèse de la planche qui écrase les trucs. Avec les fameux doug et noug, c'est ça, voilà. Voilà, non, c'est vrai. On peut pas tisser ça de cette façon si complexe et si serrée. Donc là, on voit vraiment quelque chose qui n'est pas explicable par le phénomène de la planche écrasée. Comme on voit sur la photo actuellement sur la diapo, donc là c'est vrai c'est spiralé comme tu dis, mais des fois voilà c'est entrelacé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les uns avec les autres, comme un tissu qu'on regarderait en microscope en fait. Exactement. Et ça ne meurt pas, rappelle-toi qu'on tue pas l'herbe, hein, le végétal est toujours dans, respecte sa vie. Donc déjà c'est important, c'est-à-dire que les intelligences qui font ça respectent la vie de la plante. Ça c'est important, ça nous indique peut-être déjà un début de qui ça peut être. Ce sont des consciences supérieures qui donne un message, il pourrait casser, il pourrait détruire le truc. Il se dit, je donne le message, mais non, en réalité, ils ne le détruisent pas. Donc, ils respectent la conscience de la plante, la vie du végétal. C'est bon de dire qu'ils ne sont pas des prédateurs, parce que sinon, les prédateurs, ils s'en foutraient. Donc, en réalité, ça nous renseigne déjà un peu plus sur leur bienveillance. Hein. Ça, c'est bon. Bien sûr. Et c'est peut-être un message aussi pour nous de faire plus attention à notre environnement. Alors, comme tu as parlé d'Oug et Noug, les deux effarceurs, machin, tout ça, qui sont morts. Ils sont morts depuis longtemps, il faut le savoir. Hein. Ouais. Ils croient qu'ils sont encore là. Et puis, comme c'est un phénomène qui est mondial, dans plusieurs pays, tout ça, il a fallu qu'ils aient beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de choses pour faire tout ça. Et que ça dure des années. Donc, bien sûr. Et une équipe de 50 personnes et des hélicoptères, et puis bien sûr. Voilà, donc ils sont écartés vraiment depuis longtemps. De la scène. Alors, ici, on a un exemple, par exemple, d'un crop circle qui a sûrement été fait par des hommes. On voit bien que, ça donne bien un bon exemple, on voit bien que les traits sont pas nets, qu'il y a des traces, que les choses sont tordues. Donc, là, c'est un exemple qui aurait pu être fait par des personnes qui auraient essayé. Mais on voit tout de suite que c'est vraiment totalement imparfait. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, après, on voit tous les autres crop circles, on voit par rapport à celui-là. Regardez celui-là. Regarde celui-là, la complexité qui peut se faire. Alors, bien sûr, on aurait pu dire que c'est quelqu'un qui l'a fait, puisque c'est une espèce de ça représente d'une bobine magnétique, un petit peu comme un ordinateur. Mais en réalité, la complexité du dessert est telle, la répartition telle, que c'est même si c'était des hommes qui avaient fait ça, ils auraient eu à avoir un moment de technologie très avancée. Mais en plus, là, c'est de la fractalité, là. Je me trompe pas. C'est fractal, et en même temps, il y a un degré d'harmonie, c'est-à-dire que le nombre d'or est encodé dedans. Donc c'est un essai très très complexe à faire, et voilà. Donc on voit même qu'il est spiralé, on voit bien que dans les cercles il y a des spirales, donc il y a eu quelque chose qui a fait, c'est pas écrasé, ça a été spiralé aussi, donc voilà, hein. Ça c'est important. Alors on va pas passer en revue ici par exemple un essai où ça donne un effet de cube, on voit à l'intérieur du dessin les traits qui ont été tracés, lorsque l'on regarde de certaines façons on voit apparaître des cubes en perspective. Donc là on a encore une complexité supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une information qui est induite par la structure d'un dessin. C'est une information intelligente, on peut dire. Tout à fait, hallucinant. C'est hallucinant, donc il y a un effet de perspective. Et il faut savoir qu'on ne peut pas se tromper d'un seul degré, parce que si un des traits dans les cercles noirs n'était pas assez droit, ça aurait modifié la perception. Bien sûr. Donc toi, l'analyse précise de ces dessins, alors bien sûr on peut toujours aller chercher
des explications, blablabla, blablabla, avec ceci, cela. Mais c'est vraiment. Voilà. Bon, certains ont appelé ça un groupe de rock, ce qu'on veut. Bon, ouais. Mais pourquoi pas. Mais, bon, par contre, là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est évident. Là, c'est évident, mais on voit bien que c'est pas le même type de dessin. Ouais, où il est possible que ce soit des hommes qui se soient amusés à faire ça. Par contre, il faudrait étudier ça. Je sais pas, je suis pas allé sûr dessus, mais ouais. Bon, là, on pourrait le l'accepter. Mais bon, ouais. c'est clair, je crois que c'est pas le même message, quoi. On voit bien que c'est pas le même message de ce type-là. Alors, dans les hypothèses aussi, dans les hypothèses vraiment écartées, certaines personnes ont dit que certains gros cercles auraient pu être faits par des hélicoptères qui volaient à l'envers. C'est vrai, ce jour, c'était été dans un congrès qu'on a dit ça, un congrès de recherche là-dessus. Il disait que certains hélicoptères qui volaient à l'envers auraient pu, voilà, ici, tracer. Voler à l'envers. Comme une tondeuse. Alors, déjà, un hélicoptère ne peut pas faire de looping, c'est impossible par les lois de l'aérodynamique. Bon, j'ai même envie de s'y arriver. Je vois pas comment ils pourraient faire un stationnaire. Il n'y a que c'est dans les films de Stallone qu'ils arrivent à faire des jeux. Il y a les trucages. Ouais. Donc, c'est impossible. Parce que les gens ignorent les lois de l'aérodynamique. Un hélicoptère, ce n'est pas comme un avion. Et en plus, il ne peut pas faire un statique comme ça. Donc, il ne peut pas se retourner non plus. Ce n'est pas possible. Donc, pourtant, ce sont des hypothèses qui ont été amenées. Alors, d'autres hypothèses, ça a été le rut des animaux. Ce sont des animaux en rut qui se rejettent et qui font les dessins. Bien sûr, là aussi. Alors, bien sûr que les animaux en rut, quand ils vont dans le champ, ils font des formes, mais ils n'ont jamais fait des formes géométriques par cas. C'est une hypothèse. Ou alors, ils sont plus balèzes que nous dans les mathématiques. Allez, il faut parler de la sexualité sacrée, si tu veux. Pas mal. Ouais. Alors, les animaux en rut, bon, bien sûr, c'est une hypothèse qui a été amenée. Elle tient pas la route. Alors, bien sûr, il y a l'hypothèse des ovnis. Alors, c'est quoi les ovnis? Alors, moi, je vais rester au terme simplement pur et dur. Objet volant non identifié. C'est un objet qui vole, mais on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qui c'est qui est à l'intérieur. Ça peut être n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est extraterrestre. Hein. Je ne rentre pas dans ce cadre-là maintenant. Je dis que c'est un objet volant non identifié. Si tu peux faire passer au-dessus de toi un hélicoptère qui passe et qui n'a pas de numéro d'immatriculation, ben c'est un objet volant non identifié. En réalité, on a l'hypothèse aussi des objets volants non identifiés dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et bien sûr, parfois, il y a des figures comme tu vois sur le schéma là, qui sont très très complexes aussi. Alors on se peut se poser la question, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Est-ce que c'est simplement le dessin lui-même, l'harmonie du dessin? Non, il y a dedans encodé des dimensions, des messages mathématiques. On peut dire que souvent, les obstacles nous donnent soit des messages mathématiques, soit des messages aussi astronomiques. Il y a eu des cas aussi à ce niveau-là, et qu'il faut chercher dedans. Faire des calculs, faire des rapports, c'est pas une évidence. À l'évidence, il nous donne une harmonie, un dessin, comme on appelle un mandala, si tu veux. Mais en réalité, derrière, le message est souvent encodé. C'est comme s'il nous demandait, c'est comme, on pourrait dire, s'il nous entraînait à développer notre cerveau ou notre regard d'une certaine façon. Peut-être pour amener quelque chose, pour amener une forme de pédagogie. Moi, je pense que dans les certains obstacles, il y a une forme de pédagogie à découvrir, une forme de, comme si vous aidiez à développer notre intelligence, à changer notre façon de voir les choses. Mm-hmm. Voilà, tu vois. Les explications les plus simplistes, eh bien, ça ne le fait pas du tout. Il n'y a rien à faire travailler sur le cerveau, de penser que cela. Donc là, on rate tout à fait le message, quoi, c'est clair. Bien sûr. Voilà. Alors, les phénomènes ovnis, il y a des phénomènes ovnis qui sont du métal, métal, puis aussi des phénomènes ovnis qui sont ce qu'on appelle des plasmas, c'est-à-dire des structures qui sont mouvantes. Alors on ne sait pas ce que c'est, hein. Je ne dis pas qu'il y a un être à l'intérieur, mais ce sont des choses qui sont déformables, si tu veux, plasmoïdes. Et là aussi, ça peut, un peu comme les boules de lumière qu'on a vues sur la vidéo, on ne peut pas dire que c'est du boulon, c'est de la toile du boulon, c'est quelque chose qui vibre, qui est lumineux, comme du plasma. Ça peut être intéressant d'envisager ces choses-là. Alors, ça, c'est pas un montage, hein, c'est pas un vaisseau, mais c'est pour expliquer. D'accord. Ces photos-là, juste pour savoir, donc les photos où on voit l'engin en lumière, c'est Raymond Spinosi qui les a prises, non, hein. Lequel? Là, sur le diaporama? Ouais. Non.
Non, 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 d'accord, non, d'accord. ça non. Non, non. Alors D'accord. ça, des photos explicatives, si tu veux, D'accord. des démonstrations. J'ai pas dit que c'était un vaisseau. Si, on peut représenter certaines formes comme ça. Hein. D'accord. On pourrait dire que ce sont des vaisseaux vivants, des vaisseaux plasma. C'est Ah oui, une pour moi forme c'est vivant. d'intelligence qui, on peut dire que ce serait un peu comme des êtres, si tu veux. C'est Ouais, une ouais, technologie extrêmement avancée qui est au-dessus des vaisseaux, on peut dire, technologiques. Comme un être vivant. Comme un être vivant, si tu veux. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Je peux juste ouvrir une oui, petite vas-y. parenthèse, c'est juste comme ça pour dire à mon public aussi. Quand j'étais au Mexique, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a impressionné aussi, qui lui, ça fait des années, des années, des années qu'il s'appuie que sur le phénomène OVNI. Et chez lui, donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais bon, c'est dommage, j'espère un jour. Il avait récupéré apparemment une espèce de soucoupe en pierre qui me disait que c'était une soucoupe qui s'allumait dans le ciel. Donc c'est une personne qui m'a impressionné, qui m'a montré énormément de photos, de vidéos et tout ça. Et bon, j'ai pas pu faire de vidéos, malheureusement. Mais voilà, c'est comme tu as dit si bien tout à l'heure, c'est des choses qui sont vivantes. C'est plasmatique. Et ça j'y crois, ouais. Ça j'y Oui, crois. J'y crois. il y a de nombreuses formes de vie dans l'univers que pas forcément biologiques à forme carbonée. Ce serait intéressant de faire de l'exobiologie, c'est-à-dire en réalité de se mettre à étudier Ouais, les ouais. différentes formes de vie qui pourraient exister. Et Ouais. tout face aux scientifiques, on serait très étonné de voir Ah que la forme carbonée n'est pas forcément la forme dominante. oui. Donc ici, on a une hypothèse d'empreinte qu'aurait fait le Ouais. phénomène OVNI. On peut imaginer qu'il envoie des faisceaux de micro-ondes, De et micro-ondes, donc ouais. ça crée l'empreinte, c'est la fameuse empreinte dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc les plasmoïdes seraient là. Alors, Ok, il y a ok. l'hypothèse, bien sûr, d'où peuvent venir ces visiteurs. Soit ils Ah. peuvent venir des étoiles, soit ils peuvent venir des étoiles, soit ils peuvent venir, la deuxième possibilité, alors qui est encore plus incroyable, parce que je pense Incroyable. qu'il y a pas mal de gens qui pourraient croire maintenant que avec des séries, tout ça, on pourrait venir des étoiles, parce que la science est en train de se bouleverser et qu'on va bientôt, on est en train de parler de trous de ver, on a filmé Ouais. Stella, donc ça rentre un peu plus dans les mœurs. Bien Mais sûr. ce qui est encore plus incroyable que la science n'a pas vraiment de réponse actuellement, c'est la possibilité que notre Terre, ou pas que notre Terre, mais que la Ouais. majorité des planètes soit, oui, et des dimensions intérieures, hein, des dimensions intérieures qui puissent être occupées par des êtres vivants aussi. Alors, bien sûr qu'ils sont différents de nous, puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Et pour la planète Terre, ce royaume est connu, cette structure est connue, surtout dans l'Orient, hein, du côté des Indes, tout ça, de l'Himalaya, du Tibet, et tout ça. C'est connu sous le nom de l'Agartha. Et on OK. trouve ça dans la tradition, et il faut savoir que les Indiens de l'Inde, tout ça, c'est vraiment dans leur tradition, c'est Bien pas sûr. science-fiction. Hein, Bien sûr. donc, en réalité, Shambhala, l'Agartha, ce royaume invisible, en réalité. Alors, ça peut être une hypothèse aussi, de peut-être que ces visiteurs viendraient peut-être des étoiles, mais aussi, peut-être aussi, de dimensions, je parle bien de dimensions intérieures de la Terre, et pas Ouais. forcément la Terre creuse comme on aurait creusé, mais Ouais. des dimensions intérieures de la Terre, qu'on Ouais. appelle aussi la Terre cachée, hollow, qui veut dire la Terre cachée, hollow Earth. C'est-à-dire la Terre, une autre Terre, une Terre décalée, dans laquelle il y aurait des civilisations qui seraient développées et qui pourraient, bien sûr, vouloir communiquer avec nous et peut-être avoir commencé un protocole, un processus de début de communication pour voir si nous étions assez intelligents, assez de discernement, assez de Ouais. profondeur de réflexion pour comprendre ces messages et pour préparer, bien sûr, une rencontre comme la rencontre du troisième type, mais cette fois-ci se ferait avec les êtres intérieurs. Ben, bien sûr. Donc bon, à la fin, on va terminer le plus rapidement possible le diaporama sur les crop circles. À la fin, tu annonceras quelque chose en ce qui concerne l'Agartha. Je te laisserai l'annoncer toi-même. Mais voilà, moi, depuis que je te connais, pour moi, on devrait te donner le prix Nobel, sérieux. Parce que, ah oui, excuse-moi, je crois que t'es la seule personne qui en connaît le plus sur en ce qui concerne la Terre creuse et voilà ces dimensions-là et ces êtres qui viennent de l'intérieur de la Terre. Tu en connais mais un rayon complet, mais c'est hallucinant. Donc j'espère qu'on verra ça au fur et à mesure ici dans Monde Mystérieux. Tu es le Oui. bienvenu et voilà Merci. et parce que tu en connais énormément et c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant.
Oui, c'est très intéressant parce que pour les gens, si tu veux, c'est beaucoup moins loin que les étoiles. Et voilà. Parce que ça va être il faut savoir que, à la limite, ça serait la plus grande révolution que les gens apprennent que sous leurs pieds, fait, entre parenthèses, Entre il y ait parenthèses. des millions de gens, des millions d'entités qui vivent et qui sont prêts à les rencontrer. Alors, ça, je crois que ce serait un choc plus violent que leur dire qu'il y en a qui viennent des étoiles. Tu vois? Oui, Ils c'est s'attendent vrai. pas à ça. Ils C'est s'attendent vrai. pas à ça. Et pourtant, c'est très, très probable. Et ouais. Ben voilà, donc à la fin de la vidéo, on reviendra dessus. Avant la fin de la vidéo, on reviendra dessus et je te laisserai annoncer pour le mois de mars. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je suis content de le traiter avec toi, ce thème. Voilà. Voilà, bon, pour l'instant, je ne vais pas parler, donc justement, vous présenter cette hypothèse, c'est l'hypothèse de la Terre intérieure, de la Terre cachée. Donc, là aussi, on peut tenir compte dans l'interprétation. Alors, bien sûr, derrière tout ça, après, il y a eu toutes les histoires du Troisième Reich, avec des technologies qui auraient été développées par les nazis, ainsi de suite. Alors, je ne le dis pas, mais en réalité, elles n'ont rien à voir avec les dimensions intérieures de la Terre. Ça, c'est autre chose. Mais il y a eu des possibilités où certains chercheurs, qu'ils soient nazis ou autres, se sont intéressés à ces choses-là et ont voulu avoir des réponses. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai, il a pu avoir existé des technologies un peu plus avancées, mais pas autant avancées que celles de ces peuples-là, qui ont essayé de vouloir obtenir des rendez-vous, des contacts. Mais bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Ça obéit à des règles beaucoup plus profondes. Donc, il est possible que des chercheurs de différents types de mouvements ont pu essayer, on voit ici, de copier ou sinon d'initialiser quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est pas eux du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec D'accord. Oui, parce ces qu'on voit, on voit donc des espèces de navettes en forme d'ovni. Alors ça a un nom là, je sais plus comment ils Des avaient appelé soucoupes, ça. ouais, Des... comment c'était ils avaient des cloches, mais je sais plus que c'était en allemand. Je sais plus. Ah, ça veut pas. Je m'en souviens plus du nom, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, c'est une technologie qu'ils avaient développée pendant la Seconde Guerre par les nazis. Et voilà, effectivement, on se retrouve avec des photos comme ça, comme Tout à on est en fait, train tout de à parler. fait. Des photos, on voit bien que c'est de facture très terrestre, on peut dire. Hein. Alors, il faut savoir, par exemple, que c'était des armes, bien sûr, avant tout, c'était des armes. Et que le problème, c'est que quand ils montaient des armes sur ces vaisseaux, eh bien, le champ magnétique créé le vaisseau empêchait les armes de fonctionner. C'est pour ça qu'en réalité, ça n'a jamais marché. Donc, en réalité, je crois que c'était une espèce de rétro-ingénierie. J'ai essayé de trouver quelque chose, mais ça n'a jamais marché. Donc, en réalité, voilà ce qu'il y en a. Donc, il ne faut pas le confondre avec des véritables civilisations avancées qui viennent nous contacter. Ça n'a rien à voir. C'est une tentative Est-ce que, pardon, je j'ouvre une autre parenthèse, ça n'a rien à voir, mais ça me Oui. vient comme ça à l'esprit et je voudrais absolument te le demander. Est-ce que tu connais le cas de Billy Mayers? Oui, Colin Meyer, oui, bien sûr, il était allemand. Billy Mayers, Billy. Billy Meyer, c'est suisse allemand, oui, tout à fait, avec les Pléiadiens, tout à fait. Qu'est-ce que c'est vrai? C'est parce que c'est le premier qui a pris des photos d'ovnis très concrets, très nettes. C'est hallucinant. J'en parlerai dans mon Alors, mystérieux plus tard, mais c'est hallucinant. le cas Billy Meyer est un cas, on peut dire, classique de l'ufologie moderne. Là, je ne veux pas te répondre si c'est vrai ou c'est pas vrai. La seule chose que l'on peut faire, c'est que tous les gens qui ont essayé d'étudier les photos ne sont pas réussi à démontrer que ce n'était pas vrai. Ben Donc, voilà, voilà. voilà. Donc, alors, maintenant, c'est pas vrai, on ne sait pas, mais tous les gens qui ont analysé les photos comme Billy Meyer, qui sont des très bonnes photos avec toute son très histoire belle. de contact et tout ça, eh bien, jamais ont pris à défaut la photo. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais démontré que c'était un montage. Donc, pour l'instant, comme quelqu'un est innocent et qu'on ne comprend pas qu'il est coupable, dans ce cas-là, les photos sont dites réelles. Donc, Tout voilà. à fait, mais moi je fais une petite parenthèse et on va fermer la parenthèse ça, sur Billy Mayers. J'ai eu l'occasion de voir des photos que Raymond Spinozzi a prises. C'est Oui. identique, enfin Ah identique dans le sens où elles sont nettes. Et il a eu l'autorisation par ses INH d'être photographié, enfin qu'il a eu l'autorisation de les photographier et c'est des images nettes. Ah Donc oui, très bien. voilà, pour moi le cas de Billy Mayers c'est quelque chose de vrai. Voilà. Oui, mais voilà, je veux te dire, je ne veux pas m'avancer au-delà, mais l'analyse, tu veux en rester scientifique, l'analyse prouve qu'il n'y a pas de supercherie. Donc maintenant, voilà, on peut dire, ça semble tout à fait véridique. Maintenant, est-ce que tout ce qu'a dit le personnage est vrai? Je ne sais pas.
Je parle ici des photos. Maintenant, ouais, le lui-même, tous ces messages et tout, est-ce qu'il a rencontré les brigadiers ou pas, je ne sais rien. Mais en réalité, les photos n'en sont pas prises à défaut. Voilà, c'est clair. Voilà, voilà. Alors, regarde le film Signe avec Neil Gibson, certainement vu. Alors là, c'est toujours la tentative pour faire peur aux gens, à mesure. Hein. Oui, là, ouais. On fait des prédateurs. Les prédateurs, ils vont faire des scènes alléchantes. C'est tout à fait idiot. Moi, si je suis un prédateur, que je vais envahir une planète, je vais pas m'annoncer, vous allez des scènes. Quoi, c'est clair, quoi. Ouais. Je vais faire ça, je vais infiltrer le système. Bon, je vais couper, quoi. Voilà. Donc, c'était déjà, Hollywood, il y avait Mel Gibson, c'était sympa. Et quand même, c'est un film que tout le monde a vu. Alors, après, les gens, ils ont dit, ça y est, ils se nous envahissent, c'est les dessins. Non, pas du tout. Si j'avais des notions de stratégie militaire, ça verrait bien que c'est pas du tout la méthode pour des gens qui viennent nous envahir. Voilà. Bon, déjà, toi, ça va très vite. Alors, on voit bien que c'est un film. C'est dommage que ça ait été tourné dans le côté prédateur, toujours guerre, machin, tout ça. Ça, c'est pas c'est pas du tout dans ce sens-là. Alors, donc, ça, c'est vraiment un ovni. Dans le cas de dire, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité. Oui, non, bien sûr. Non, mais il y a eu d'autres films après, encore moins intéressants que celui-là. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça, il y a eu pas mal de films en montrant que c'est quelque chose de dangereux, etc., etc. Ah. Ouais, alors. Alors, comme il n'y a pas de film qui montre que ce n'est pas dangereux, la plupart du public garde cette information, si tu veux. Ouais, donc, ouais. Il faudrait qu'il y ait. Alors, moi, j'ai oublié que tout le monde ait une opinion, d'accord. Il faut démontrer aussi des films où ce n'est pas dangereux. Ouais. Voilà, exactement. Bah, tiens, tu me donnes des idées. Voilà. Il manque des producteurs qui donnent des meilleures versions, des versions différentes, voilà. Existe pour que chacun puisse faire son choix. Mais là, il n'y a pas de choix puisque c'est toujours la même chose qu'on montre. Alors, Bon, ben, alors, Jean-Michel, on ira au Festival de Cannes et on présentera le projet. Hein, écoute, hein. Il existe des films de science-fiction qui sont, il en reste peu, mais qui sont bénéfiques, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ben voilà. Il existe quelques-uns. Alors, ici, on avait cette image qui était apparue avec ce personnage qui était dessiné, on peut dire là. Alors, bien sûr, on est tout de suite allé. Dans l'ufologie, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, on a pu croire que c'était un prédateur. Et à côté, à droite, on a eu ce disque. Alors, le problème, il faut savoir que ce disque est très compliqué. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce disque? Et déjà, on a essayé de décoder, en réalité, c'est de l'écriture binaire. Et en réalité, on s'est aperçu que dedans, il y avait un message qui était encodé avec des 0 et des 1. D'accord. Et c'était vraiment comme un disque informatique. Donc, il y avait un message encodé dans le fait qu'il y avait, à un moment donné, qu'il y avait un relief, qu'il n'y avait plus de relief. Et dedans, il y avait un nombre qui était encodé, il y avait un message. Donc, c'est vraiment, vraiment très difficile de ça. Alors, bien sûr, ensuite, le personnage, c'est facile de dire que c'est un prédateur. On ne sait pas du tout. Je veux dire, je vous dis, les prédateurs ne sont pas là pour donner des messages. C'est clair. Ça peut pas être prédateur. Mais c'est là qu'il y ait une forme qui puisse faire penser, dans des cas d'ufologie, à des gens qui ont été abductés, par exemple, ou qui ont subi des kidnappings et tout ça, ça peut ressembler, mais ce n'est pas forcément ça. Parce qu'on ne sait pas. Il faut qu'on soit des enquêteurs vrais. Et un enquêteur vrai, tant qu'on n'a pas la preuve des choses, on ne peut pas dire que c'est comme ça. Donc, on a des informations et il y a aussi des choses qui ne vont pas avec. Donc, il faut arriver. Donc, peut-être que ce n'est pas forcément un prédateur, puisqu'un prédateur n'aurait pas utilisé cette méthodologie. Pour lui, ça ne veut rien dire. Un prédateur, il reste caché. Un prédateur, il reste caché, il agit dans l'ombre. Il ne se comporte pas en faisant des dessins et en donnant un message. Bien sûr. Ça ne va pas du tout dans la psychologie. Vous êtes un peu un bon profiler. Alors, autre chose aussi. Là aussi, près de Arecibo, c'est un télescope. Oui. Donc, là aussi, là, curieusement, a pas eu deux schémas, un visage de nouveau qui n'est pas le même, qui est ici, et là, une espèce d'ensemble de glyphes, et on a pu décrypter ce glyphe. Et en réalité, c'était une réponse à ce que les humains avaient envoyé comme message dans l'univers, en indiquant la sonde Voyager. Tout à fait. Les années 76, on avait envoyé. Alors, ça, c'est curieux quand même que les gens, les scientifiques croient pas aux ovnis, alors qu'ils mettent dans une sonde voyageur un disque gravé en or avec des messages indiquant des intelligences non humaines où se trouve la Terre, qu'il y a sur la Terre. C'est puisque vrai. Ça n'existe pas, c'est inutile, c'est une idée pas utile. C'est vrai. Voilà, on l'a quand même fait. Mais c'est bien. Alors, c'est bien d'en parler de ça, c'est bien de le préciser. Et effectivement, alors, je ne sais pas si tu peux expliquer au public par rapport aux photos là, qu'on est en train de voir. Parce que voilà, il y en a un qui avait été fait, donc de dessin. Après, je crois qu'il. Je ne sais plus si on en avait fait un, nous, mais ils avaient répondu.
Donc voilà. Ils avaient sorti le même que nous, en fait, que ce message crypté qu'on a envoyé dans la sonde, voilà. Mais avec leurs moyens, c'est ça, si je me trompe c'est pas ça, C'est ça. Ils expliquaient par leur dessin qu'en réalité, leur ADN était différent. Ils avaient trois brins d'ADN. Donc, ils envoyaient des informations en réponse à un message qu'on avait envoyé, nous, dans l'univers, en disant, voilà, on est comme ça. On vient de telle planète, tel endroit, on voit notre ADN, voilà l'atome d'hydrogène. Et eux, ils avaient envoyé en disant, mais nous, on vient d'ailleurs, voici notre ADN, il est différent. Donc, c'était un message. Et en plus, le clin d'œil, c'est qu'il a été fait à côté du radiotélescope. Oui. Donc, imagine un peu, le radiotélescope est une zone militaire surveillée. Ouais. T'imagines que des gens allaient en pleine nuit, au risque de se faire arrêter avec des surveillances, destinés là, en pleine nuit, là, je sais pas ce type-là. Alors là, c'est pas possible, tu comprends? C'est une zone surveillée. Ben oui. Il y a des gardiens, ben oui. Des petits, que le gars en pleine nuit, ils arrivaient avec leur lampe, aller distinguer ça. Et je t'aurais fait une voix. Non, bien sûr, non, mais surtout que dans des zones militaires, il y a de plus en plus maintenant, il y a des détecteurs de mouvement, des choses comme ça, qui sont à longue portée, donc c'est logique, on peut pas. Mais de toute façon, on le voit sur la photo, il n'y a même pas. C'est logique, sur la photo, on voit même pas de traces de si une voiture était venue, ou il n'y a rien. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un tampon, quoi. C'est un tampon, voilà. et ça a été un clin d'œil. Ils ont été facétieux de le mettre là. Tu aurais pu le mettre ailleurs, juste à côté du radiotélescope, pour dire ouais. Là, ils ont fait une association d'informations, et c'est très intelligent en réalité. Ah ouais. Ils peuvent dire, c'est le moment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Et, et ensuite, ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour parce qu'ils auraient pu le faire ailleurs. Donc, tu vois, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc les radiotélescopes, c'était ça, cette fameuse. Alors, bien sûr, on a évoqué le projet ARP, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le fait que. Ça. Bon, mais ce sont des hypothèses qui ont été mises. Alors, il y a eu aussi, bien sûr, la porte des étoiles, le feuilleton, bien sûr, et on va parler de vortex, de porte dimensionnelle, ainsi de suite. Alors, c'est pas, là, bien sûr, le diaporama, c'est bien pas le sujet pour en parler. Mais les humains qui ont créé ces séries, par exemple cette série télévisée, Stargate, ils ont envisagé un phénomène scientifique. Parce qu'on sait que même si on voyageait à la vitesse de la lumière, les étoiles sont tellement éloignées que les voyages seraient extrêmement longs, extrêmement difficiles à faire. Alors, c'est ce qui arrête les scientifiques dans le phénomène OVNI, c'est parce que les distances sont tellement grandes, la vitesse étant limitée à la vitesse de la lumière, et les contraintes qu'impose la théorie de la relativité générale et restreinte au voyage font que ça devient très hasardeux. Donc se dit, mais c'est pas possible que des vaisseaux puissent venir de très loin, ou sinon ce seraient des arches cosmiques qui feraient des centaines de kilomètres. Donc en réalité, et le phénomène que cette série introduit, quelque chose qui s'appelle une porte des étoiles, c'est-à-dire le phénomène des trous de ver, des phénomènes qui permettent de faire communiquer des endroits très rapidement l'un avec l'autre, et qui actuellement est une hypothèse, c'est plus une hypothèse dans la science. La science utilise les phénomènes de trous de ver dans la physique quantique. C'est une des solutions même de l'équation d'Einstein. Donc en réalité, ces trous de ver sont la clé du voyage interstellaire. Alors le fait d'évoquer déjà cette chose ramène un peu plus. Alors peut-être que, bon, voit, il y a bien des extraterrestres qui voyagent dans l'espace-temps, mais à travers des portes. Et des portes. La série Stargate n'est pas très éloignée de ce que moi je pense être des possibilités. D'accord. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, bien sûr, il y a eu aussi des hypothèses, des gens qui ont fait ça avec des montgolfières, bien sûr, l'armée, ou avec, maintenant, on pourrait dire des drones. Maintenant, c'est la mode. Des drones. C'est la mode, les drones. Les drones font n'importe quoi. Alors, sachant que, non, il y a des contraintes dans les drones. Par exemple, si tu achètes un drone, même un drone avancé, eh bien, tu ne peux pas l'utiliser à plus de 200 mètres. Parce qu'il y a une limite à partir du radio-guidage. Et puis les drones militaires sont extrêmement chers. Et tu vois bien que. Alors, l'hypothèse des militaires. On dit, oui, c'est les militaires qui ont fait ça. À quoi ça servirait à des militaires à faire des dessins dans les chaînes de colza et de luzerne? Ça n'a aucune utilité. Ils essayent des armes énergétiques. Mais ils sont fous. Parce qu'en faisant ça, ils attirent l'attention sur eux. Quand tu développes des armes furtives ou énergétiques, tu le gardes secret. Tu vas pas, t'entraîner dans les chaînes du voisin pour lui dire, t'as vu comment je fais? Non. Alors, c'est vraiment. Ce sont des hypothèses qui ont été émises, mais ça ne tient pas la route parce que ça n'a aucune raison. Ce texte-là. Hein.
Voilà. Sinon, ils n'auraient pas fait des avions furtifs, hein, si c'était pour faire des, tester ça dans les champs de luzerne. Donc, alors voilà, bon, alors, les lasers, ça, donc, tout ça, c'est ouais. pas. Ce sont des hypothèses que peuvent avancer, mais ne tiennent pas la route du tout. Donc, tu vois, petit à petit, on fait comme un vrai dossier, on élimine voilà. ce qui n'est vraiment pas du tout. Alors, ouais, les champs ouais. électriques, tout ça, voilà. Alors, certains ont dit c'est la foudre. Ouais, bien sûr, la foudre. Tu rigoles. Bon, alors, même la foule en broute ne peut pas, n'a pas de, ne peut pas faire des dessins géométriques, ça ne peut pas, ça n'existe pas. Donc, la foudre non plus, quand la foudre tombe dans un champ, elle met le feu au champ, quoi. Point barre. Ben oui, ouais, exactement. Donc, voilà, exactement. Si c'est sec, sinon, ben, elle laisse une empreinte électromagnétique, mais elle ne fait pas des dessins. Voilà. Donc, ça aussi, ouais, ce ouais. n'est pas possible. Donc, tu vois, on a force de balayer tout ça, on s'aperçoit que, certains disent oui, alors ça, c'est parce que dans le sol, il y a des cristaux. Des énormes cristaux qui ont été mis et que c'est ces cristaux qui font ça. Oui, mais si c'était le cas, ils auraient fait depuis longtemps. Ben voilà. Ils auraient vu depuis la nuit des temps. Bien sûr. Bien sûr. Alors, bien pas, sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de structure de sous-sol qui favorise ça. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit non, ce n'est pas seulement des cristaux qui sont à l'origine de ça. Peut-être qu'il y a des endroits qui sont plus favorables. Et peut-être que ça fait partie du message aussi. Peut-être que le fait que des crop circles apparaissent dans des zones particulières fait partie aussi du message du que veulent nos ceux qui bien font sûr. Ça. Tu vois alors, pour attirer notre attention sur quelque chose. Mais ce n'est pas dû aux cristaux, je ne pense pas. Hein. Alors, bien sûr, vraiment... bien sûr. Non, moi, pareil. pareil. Alors, ouais. Le fameux cristaux, ah, le crâne oui. de cristal, bien sûr. Les vestiges de civilisation qui ont disparu, oui, bien sûr. Mais non, ce n'est pas dû non plus au crâne de cristal, bien sûr. Hein. Voilà. Oh. Donc, par contre, on peut simplement voir ça comme étant la connaissance cachée. Ça fait accès à une connaissance qui est cachée, que nous ne connaissons pas encore, et qu'on attire notre attention dessus cette connaissance. Donc, ce sont des gens qui sont bienveillants, ce sont des gens qui veulent nous apprendre à nous développer, développer notre intelligence multidimensionnelle, et pas une intelligence toute simple de base, mais une intelligence avec une vision de profondeur. Ouais. Ils respectent la vie des végétaux, ils nous donnent des messages, ils nous avertissent. Donc, un petit peu dire, ce serait... Des éducateurs qui prennent soin de nous et qui voient si on est capable de comprendre leur message. Ouais, et je crois que c'est ce qui intéresse avant tout. C'est de voir notre croissance de conscience et d'intelligence. Quoi. Je crois que c'est ça qui les intéresse. Ouais, ouais. Fait des messages. Voilà. Alors, les chamanismes, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, les esprits de la nature, je pense que les chamans, eux, pour eux, ça fait partie du normal. C'est-à-dire, pour eux, ils comprennent très bien ce phénomène, ça fait partie, parce que les chamans, qui sont des gens qui voyagent dans une dimension de la conscience, ouais. ont entré en contact avec des intelligences non humaines. C'est un peu leur œuvre, ils voyagent dans ces mondes-là. Alors, pour eux, ouais, ouais. les cercueils ne sont pas un problème. Donc, en réalité, ils comprennent ces intelligences-là. Donc, être tous un peu des chamans, des êtres qui vivent, qui puissent voyager dans des dimensions de la conscience de façon consciente. Bien ça, c'est une dimension qu'il faut tenir compte. Alors, bien sûr, on va retrouver, bien sûr, tous les personnes qui ont une certaine initiation, c'est-à-dire une personne qui a travaillé sur eux et qui ont développé des capacités un peu différentes que celles de l'humain ordinaire. Alors, tous les hommes ont ces capacités, mais l'humain ordinaire, dans sa vie ordinaire, ne les développe pas. C'est-à-dire que le terrain n'est pas propice à ce développement. Mais les êtres qui ont pu développer certaines formes de capacités vont pouvoir mieux appréhender le phénomène des crop circles que quelqu'un de façon ordinaire, parce qu'ils ont une vision beaucoup plus large, beaucoup plus profonde des choses. Donc, voilà aussi, je dirais que si on veut comprendre les crop circles, eh bien, il va falloir qu'on se développe intérieurement, il va falloir qu'on change notre intelligence, notre façon de voir les choses. Ou sinon, on restera à la psychose, à l'hallucination, ou blanche, ou si tu veux. Ouais. Il ne faut pas aller plus loin, parce que voilà, c'est tout. Hein. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, donc cette petite diapo nous montre en réalité voilà, que nous devons aller à un autre niveau. C'est peut-être citer une invitation des intelligences non humaines qui nous disent que si vous voulez comprendre quelque chose, eh bien, il faut que vous fassiez un effort. Un effort d'évoluer, de passer à autre chose. Voilà. Donc ici, par exemple, on a des exemples comme la toile d'araignée. Hein. Alors ça aussi, la toile d'araignée peut symboliser le réseau énergétique de la planète. C'est aussi un enseignement symbolique. C'est pas dire à quoi ça sert de dessiner une toile d'araignée. Ben, tout simplement parce que la toile d'araignée veut dire autre chose. Elle nous parle souvent d'un symbole. Elle nous envoie à une recherche plus profonde, nous dire « Ah ben c'est une toile d'araignée ». Voilà. Donc tu vois, c'est par rapport à tout ça. Et le fait qu'il soit associé au talus d'Avebury, il y a un lien. S'ils l'ont mis là, c'est une raison.
C'est à nous de trouver la raison. Ils sont en train d'attirer notre attention sur quelque chose. Tu vois, c'est un peu comme des énigmes à résoudre. Ouais, comme ouais. Cherche le trésor, si tu veux. Hein, voilà. Bien sûr. Je crois qu'on abordait comme ça, les crop-circles, comme une suite d'énigmes à résoudre et dans laquelle on grandit, on devient de plus intelligent jusqu'à trouver peut-être quelque chose. Voilà. Aussi, eh bien, on avait parlé de la fractalité. Ici, oui. On a. Et on sait que la fractalité, c'est mathématique, c'est physique, c'est, ce n'est pas quelque chose qui est voilà, hein, imaginaire. Donc, en réalité, peut-être qu'on nous dirait tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mm-hmm. Et si en bas on comprend ce qui est en haut, alors la réunion, peut-être qu'ils sont en train de préparer, peut-être que nous assistons à un programme de contact. Ah. Où on apprend petit à petit à modifier notre intelligence, à modifier nos émotions, à voir plus loin que le bout de notre nez. Parce que un contact avec des intelligences supérieures, ça se prépare. L'homme croit que le contact, c'est simplement rentrer en contact avec quelqu'un. Non. Alors, si c'est quelqu'un d'ordinaire, tu crois qu'on est à vie ordinaire, ça va. Mais si c'est quelqu'un qui a une intelligence différente, eh bien, il faut faire des préparations, ou sinon, ça ne se passe pas bien. Bien donc, c'est un programme de préparation à autre chose, à une autre façon. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, là aussi, par exemple, on a des exemples. Comptons les cercles. Je te donne, je t'invite, Hervé, de compter le nombre de cercles. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 c'est cercles. Pourquoi Hervé, y a-t-il 13 cercles et pourquoi pas 14 et pourquoi pas 12? Tu vois voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est les planètes du système solaire, c'est ça? Alors, est-ce que c'est relié aux planètes? On va faire des hypothèses. On pourrait faire toute une étude. On dirait, est-ce que c'est les planètes du système solaire? Qu'est-ce que la symbolique du 13? Chercher qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils savent, ils connaissent notre culture, ces êtres-là. Donc, peut-être, et à travers notre culture, ils nous donnent un message. Et c'est à nous de trouver. Alors, il y a des hypothèses. Bien sûr, il y a différentes hypothèses. Mais quelque part, le problème, c'est qu'est-ce que fait cette petite lune-là qui est à la fin? Oui, c'est pour ça que j'ai pensé au système solaire. Mais bon, voilà. Voilà. Mais tu vois, ça exerce ton intelligence, Hervé. Ça te fait poser des questions, d'aller plus loin. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, c'est que nous travaillons sur nous, sur notre intelligence. Voilà. Bien sûr. Tu vois, c'est ça. Plus qu'il y a un message, mais le message ne peut être décrété qu'aussi on évolue. Mais dans le tarot, par exemple, la lettre 13, la lame 13 du tarot, alors tout le monde la redoute, cette lame, parce que c'est la mort, elle est là, mais ça, Mais tu sais, dans Monde Mystérieux, j'ai pas encore. Je vais bientôt parler de tout ce qui est la numérologie, etc. etc. Mais c'est pas, il faut pas voir quelque chose comme ça comme quelque chose de mal, le 13, par exemple. Le 13. Mais oui, il y a énormément de choses, bien sûr. Là, tu parlais du tarot, mais il y a énormément de choses qui ont à voir avec le 13, avec le 11, avec le. Oula, ouais. Ouais, exact. Il faut sortir, il faut pas aller à la peine. Donc, le 13, on peut dire simplement, c'est la lame de la transformation, c'est le passage. Parce que tout ce qui croit doit mourir pour passer à autre chose. C'est la transformation. Disons, c'est la lame de la transformation. Nous devons nous détourner de certaines choses pour aller vers autre chose, ou sinon on ne peut pas le faire. Et bien, je crois que cette lame nous dit, êtes-vous prêt à passer à autre chose, à renoncer à des anciennes façons de voir et aller vers de nouvelles façons de voir. Donc c'est un espoir, c'est même une invitation à avancer. Ce n'est pas la mort, c'est la croissance, mais on doit, pour cela, renoncer à certaines choses avant, c'est sûr. Tu vois, c'est une invitation. Voilà. Ici, par exemple, on a une expérience de spirale évolutive. C'est-à-dire la croissance de la spirale. La spirale montre l'évolution en allant de l'avant. Donc, si on nous invite à aller de l'avant, à différents niveaux, regarde, ici, il y a une espèce de soleil, une espèce de roue de soleil, roue de feu qui est là, avec les quatre éléments, puisque il y a les quatre éléments. Donc, il y a quatre branches. Donc, tu vois, ce sont des messages symboliques avec des cercles concentriques. Alors, ce n'est pas facile à décoder. Mais comme disait Morpheus à Neo dans Matrix, je t'ai pas dit que c'était facile, je t'ai dit que ce serait la vérité. Donc quelque part, ce n'est pas facile. Mais justement, il faut aller vers une vérité supérieure, quelque chose qui est au-delà. Et tu te rappelles aussi dans le film, il dit « libère ton esprit ». Voilà, exactement. Voilà, et c'est important ça, c'est important. Oui, il faut s'exprimer sur l'esprit, c'est pas pour ça qu'il faut passer. On peut faire n'importe quoi, on ne parle pas de fantasmes ici, on parle vraiment d'une intelligence supérieure, d'une intelligence qui se développe dans des nouvelles zones. Et ça, c'est comme une stimulation, une invitation à ce passage, quelque part. Voilà. On appelle ça la route de Sainte-Catherine, très intéressant. Donc, tu vois, je ne veux pas dire plus parce que je ne suis pas le but, on ne veut pas faire durer trop longtemps, mais rien que là-dedans, il y a des choses à penser, à réfléchir, à résoudre l'énigme de la roue de Sainte-Catherine, par exemple. Ouais.
Hein, voilà. Tout à fait. Donc tu vois, 1995, donc pour dire que ça fait 20 ans, hein, ça fait déjà 20 ans, hein, toutes ces choses-là. Alors ici, par exemple, je peux donner une petite explication, ouais, toi, mais je ne vais pas parler, je vous montre un petit dessin. Et puis ce petit dessin peut peut-être expliquer certaines choses de ce crop circle. Tu vois, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on puisse faire une réflexion par analogie. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les explications parce que ce n'est pas le but ce soir, mais je vous montre qu'il y a des pistes. Il y a des pistes. Alors il faut une certaine culture. Et peut-être c'est une invitation à faire gagner notre culture aussi. Tout à fait. Voilà. Là, ici, par exemple, peut-être que c'est une allusion à la planète Jupiter, où il y a eu la fameuse météore, les quatre météores qui sont écrasés dessus, dans ces années-là. Hein. Donc, oui, toi, bon, on pourrait continuer beaucoup. Ici, par exemple, on nous donne une impression d'émission de radiation, tu vois, comme des micro-ondes. On parlait des micro-ondes. Ici, peut-être que c'est le modèle atomique. Est-ce qu'on nous parle ici de la transition des électrons sur des couches atomiques? Je ne sais pas, mais toi, ça pousse à la réflexion. Je crois que ça doit nous faire réfléchir. Voilà. Par rapport à tout ça. Ici, on nous parle peut-être de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Je te donne des exemples comme ça. La question, c'est tout ça. Après, il faut relier les crop circles entre eux. Parce qu'il y a le message du crop circle, mais ensuite, il faut le mettre dans un contexte un peu plus grand. Est-ce qu'on doit les classer par année? Est-ce qu'on doit les classer par mois? Est-ce qu'on doit les classer par proximité? Est-ce qu'on doit les classer par pays? Tu vois, Mais alors toi, une question, toi qui les étudies depuis des années, est-ce qu'ils sont de plus en plus complexes, ou est-ce qu'ils sont de plus en plus codés, ou est-ce qu'ils sont de plus en plus explicatifs? Ils évoluent en fonction des conditions de la société. Donc au début, ils étaient simples, ils se sont complexifiés, mais au delà, ils n'ont plus besoin de plus se complexifier, parce qu'au-delà, après, ça devient incompréhensible pour l'humain. Donc ça reste à sa portée quand même. Et donc en réalité, ils s'adaptent à l'actualité. Ils s'adaptent comme un programme d'enseignement vers quelque chose. D'accord. Donc, au fur et à mesure qu'on essaie de résoudre les énigmes, on nous en propose un petit peu plus ardu, parfois avec des compléments d'informations. C'est un programme, si tu veux. Je dis, il faut le voir comme un programme. Programme qui nous prépare à un big event, un grand événement mondial, bénéfique, bien sûr, pas du tout pas catastrophique, mais un grand événement. Et pour ceux qui s'y intéressent, parce que la sélection se fait où? Mais la sélection se fait dans les gens qui s'intéressent ou pas. Vous voyez, c'est pas fermé, c'est pas réservé à une élite. C'est simplement des gens disent je vais y passer du temps, d'autres disent non, je m'en fous. Eh bien, c'est un choix, chacun reste. Mais le résultat, sera pas pareil. C'est sûr. Donc, si par exemple, je te donne une question, Hervé, toi, je vais te dire qu'est-ce que tu remarques sur ce schéma? Alors, lequel, pardon, le... Tu vois bien que c'est une représentation partielle du système solaire. Je t'aide un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pas de soucis. C'est qu'on finisse vers 20h. Qu'est-ce que tu remarques sur ce dessin? C'est comme un... Ça me fait penser à des aimants. Je ne sais pas comment t'expliquer. Bon, alors je vais t'aider un peu parce que toi, normalement, je devrais te laisser calculer, faire ton travail. En réalité, ça représente des orbites de planètes autour du Soleil. D'accord. Donc le Soleil est au centre. La première orbite, c'est la plus proche du Soleil, c'est Mercure, la planète Mercure. D'accord. La deuxième, c'est Vénus. D'accord. À un moment donné, il y a une orbite où il n'y a pas de planète, tu la vois? Elle est vide. Exact. Sinon, il y a une orbite supérieure, c'est en réalité Mars. D'accord. C'est la planète Mars. Et après, on voit une ceinture, tu vois, d'espèce de sphère. Et bien, ça, c'est la ceinture d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qu'on connaît bien actuellement. Donc, si tu dis que la dernière planète, c'est bien Mars, puisqu'après, il y a la ceinture de Jupiter. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait cette orbite vide? C'est quoi? Bonne question. Parce que t'as représenté une Terre. Terre. C'est l'orbite de la Terre qui se trouve entre Vénus et Mars. D'accord. Et pourquoi elle est vide? La seule orbite où il n'y a pas de planète, c'est l'orbite où se trouverait la Terre, normalement. Pourquoi elle est vide? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire? Je t'avoue, je sais pas, je suis un peu dépassé là, je te l'avoue.
Bon, mais c'est pas grave, je vais pas te dire. Mais la question, on s'interroge. Il y a plusieurs hypothèses, c'est sûr, il y a plusieurs choses. Mais là, ils nous donnent un message. Ils nous disent, on représente les planètes qu'on appelle intérieures, c'est-à-dire. En deçà, la ceinture de la Terre. Tout est à l'ordre exact, sauf que la Terre n'y est pas sur son. Donc, quel est le message qui est donné? D'accord, d'accord. C'est la question, tu vois? Voilà. D'accord, ouais. Voilà. Ok. D'accord? Ouais, d'accord, ça marche. Voilà, test de perception qui est la planète manquante. Tu as passé le test. Ouais, ben voilà, difficilement, mais bon, tu m'as aidé. Hein. Disons qu'on a peu de temps, c'est pour ça. Ouais, voilà, non, mais en même temps, je me suis un peu, parce que je me suis un peu embrouillé, parce que j'ai regardé, je me suis permis de regarder l'autre diapo qui ressemblait à un aimant. Ça ressemble plus à un aimant qu'autre chose. Mais bon, désolé, voilà, j'étais un peu à côté. Je sais, désolé, autant pour moi, voilà. Jean-Michel. c'est amusant, c'est un jeu. Donc ici, j'ai mis la planète Terre, toi, telle qu'elle devrait être, qu'elle est là, tourne sur son axe. Voilà, donc je laisse le public et je te laisse toi à méditer là-dessus, de ce schéma, de ce que pourraient nous dire nos intelligences non humaines. À cela. Bien sûr, tu t'es concentré là-dessus, tu y as bien vu, mais ici aussi, on nous représente la Terre avec la ceinture de Van Allen, c'est-à-dire les champs magnétiques qui entourent la Terre, bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut relier ce crop circle à celui qu'on a vu d'avant? Toi, je ne sais pas. Toi, il y a des liens à faire. Il y a un message qui est réparti dans l'espace et le temps. Et c'est notre intelligence supérieure qui doit le résoudre. Bien sûr. Tu vois? Voilà la fameuse. Un autre crop circle est apparu et on nous parle du champ magnétique de la Terre. Pourquoi ils vont nous donner un message sur le champ magnétique de la Terre? Parce que par rapport aux dernières comment on appelle ça, les dernières pas éruptions solaires, mais c'est ça a un rapport avec le Soleil, en tout cas. Est-ce que ça a un rapport avec le Soleil? Tout à fait raison. Donc tu vois. C'est vraiment une enquête à mener, c'est passionnant, je crois qu'on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que comment, qu'est-ce qui est derrière tout ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, donc tu vois, c'est très rationnel, hein, je ne te montre pas des trucs mystiques, machin, tout ça. C'est des choses très de la science actuelle, hein, mais c'est tout vérifiable, ça, pour ça, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, par exemple, ici, on a eu des schémas comme ça, et certains ont dit parce que c'était sous des fils à haute tension. C'est vrai que les fils à haute tension pourraient perturber. L'émission de radiation pourrait empêcher, si c'est de nature radiative, peut-être c'est une façon d'expliquer les choses. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Bon, tu vois, ici on voit bien la pliure, hein, une torsadée là, ouais. Donc tout ça est vérifiable. Voilà, ici par exemple, alors, ici en dehors, on voit bien qu'elle est en dehors, mais c'est tout bien régulier. Voilà, tout à fait. Alors là aussi, il y a un qui est intéressant, par exemple, ça. Moi, je le montre à des personnes parfois dans le séminaire, mais je ne mets pas ce que c'est. Je dis d'après vous ce que c'est. Ils trouvent tout de suite, ils me disent c'est l'ADN. Ouais. Ils nous ont mis de l'ADN. Mais pourquoi? C'est à quoi qu'ils nous dessinent notre ADN, tu vois? Donc, peut-être qu'il faut attirer notre attention là-dessus. Et ouais. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu vois, c'est vraiment une enquête à la Sherlock Holmes. C'est vraiment important. Et bien, on a eu la réponse plus tard. On a vu apparaître ce crop circle. Alors, celui-là, tu dis mais qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de verre. Un truc qui n'a ni queue ni tête, c'est pas beau, hein, c'est pas régulier. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils se sont plantés là, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est un scientifique, un biochimiste qui a dit, eh bien, en réalité, ça représente un fragment de l'ADN. Et pour le comprendre, il a mis notre ADN sous une forme, ce qu'on appelle une représentation circulaire. Il a pu, en faisant des comparaisons, déterminer que c'était une chaîne d'ADN et que les morceaux où il n'y avait pas, on voit ici les morceaux où il n'y a pas de. Il n'y a rien. Eh bien, on montrait les endroits où notre ADN était défectueux, où il manquait des morceaux d'ADN. Il en a fait la liste ici, par exemple. Ce qui manque. C'est comme s'il nous disait votre ADN est incomplet, votre ADN est dégénéré, votre ADN n'est pas assez efficace. Tu vois? D'accord. Donc, c'est un cas ici où il y a une explication purement scientifique et c'est fait en 91. Donc, c'est très ancien. Et arrêté, c'est un scientifique qui a pu donner la réponse parce qu'il a fait l'analogie avec une représentation, ce qu'on appelle circulaire de l'ADN, ici, à ce niveau-là, de la molécule d'ADN. Et c'est comme ça qu'il a pu identifier qu'il y a des morceaux qui manquaient.
D'accord. Donc il y a un message scientifique ici dans ce cas-là. Oui, ouais. Personne n'aurait pu décrypter ce que c'était, disait, je sais pas, on sait pas ce que c'est. Et en réalité, c'était dans l'air. Tu vois que ce sont des situations scientifiques. Des gens qui sont très intelligents qui font ça. Alors bien sûr, ensuite, on a les fameux symboles qui sont des symboles spiralés qui nous entraînent dans ce qu'on appelle les fractales, ainsi de suite. Donc ça, c'est des hautes mathématiques et c'est très intéressant. On pourra parler des heures. Ça a des applications dans la vie de tous les jours, ces choses-là. Donc là, ils attirent notre attention là-dessus pour peut-être nous faire... étudier les fractales, peut-être. Il y a des tas de choses là-dessus, tu vois. C'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Ah oui, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. 149 cercles. C'est une beauté, une beauté hallucinante de ce schéma. Donc, tu vois, je veux dire, 300 mètres de large quand même. Il faut le faire, 300 mètres de large, sans erreur, zéro erreur. Et 149 cercles répartis selon les spirales d'or, c'est une perfection. C'est magnifique. C'est clair, c'est à faire sur un papier, mais moi, c'est hallucinant. Voilà. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps de parler de tout. Après, il va y avoir des messages purement mathématiques, des messages de chimie, de physique, et qui touchent aussi les phénomènes de la société. Ils essaient de vraiment nous parler à notre intelligence la plus profonde. Mm-hmm. À travers des schémas de mathématiques supérieures, de mathématiques très avancées, ils nous donnent des messages sur la transformation de notre société, de comment les sociétés se transforment. Mais il faut décoder ces mathématiques. Ils auraient pu nous écrire une phrase, mais ils ne veulent pas. Ça, c'est de l'intelligence. Donc, ils cachent le message dans une forme mathématique. Et en analysant cette forme, nous pouvons avoir accès au message. Tu vois comment ils font ? C'est ça. Une forme de pédagogie. Je te montre ici, ce sont des choses qui existent mathématiquement. C'est pas si dur que ça. Ces mathématiques ne sont pas des mathématiques très complexes. Elles sont actuellement enseignées en terminale scientifique. D'accord. Avant de passer le bac, toi, tu apprends ces mathématiques-là. Donc, ce n'est pas des mathématiques de l'université, même pas. C'est des mathématiques qui sont enseignées actuellement en terminale scientifique. Donc, mais elles cachent des secrets. Ces secrets sont encodés dans les crop circles. D'accord. Fais des séminaires entiers, des conférences entières là-dessus, et regarde, le crop circle est apparu aussi. Tu vois. Donc ils nous ont donné des messages. Ils nous disent simplement que notre société génère trop d'entropie, c'est-à-dire de désordre. Et quand une société comme la sommes nous, mondiale, avec 7 milliards d'individus, crée trop de désordre, il ne peut pas avoir une fin heureuse à ce chemin. Il faut commencer à créer de l'ordre, de l'organisation meilleure. Et en réalité, ils nous mettent en garde quelque part contre une possible déstructuration qui ne vient pas d'ailleurs, qui vient de nous-mêmes. C'est notre façon de nous comporter qui peut amener vraiment des problèmes. Et on le voit actuellement, on arrive au bout. Donc ils nous avaient appris à ça. Tu vois. Bien sûr. Voilà, mais écoute, moi, on va peut-être arrêter là-dessus. Ouais, d'accord. Tout, hein. Tu vois, on finit avec cette belle spirale qui est évolutive. Alors, on tient à en résumer que c'est pas les pépés de Guénoux, ce sont des intelligents non humains. On ne sait pas qui c'est. D'accord. Par contre, en analysant un peu leur dessin, on sait qu'ils sont bienveillants, qu'ils cherchent à nous éduquer, qu'ils cherchent à nous donner des informations, qu'ils travaillent sur notre intelligence. C'est un défi pour notre intelligence, qu'ils respectent la vie puisqu'ils ne détruisent pas les récoltes. Donc les récoltes peuvent être faites après. Donc c'est pas intrusif, ils n'obligent personne. Donc, il ne crée pas. Donc, en réalité, c'est vraiment une belle leçon qu'il nous donne. Maintenant, est-ce qu'on est assez intelligent ? Est-ce qu'on est assez intelligent pour comprendre le message, pour le décrypter et pour l'utiliser avant que nous nous détruisions nous-mêmes ? Parce que c'est ça, hein, je crois que tout le monde, personne n'ignore maintenant les dangers que nous pourrons, que nous avons créés nous-mêmes, bien sûr, par notre comportement. Donc, arrêtez. Est-ce qu'on est assez intelligent pour tenir compte de ces messages, pour les mettre en route ? C'est la question qui est posée. Bien sûr. La question qu'on peut se poser. Mais il y a un message. D'après moi, s'ils ont fait ça, c'est qu'on peut s'en sortir. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Si c'était une impasse, ils n'auraient même pas donné le mal de faire ça. Ils auraient dit, on n'a qu'à laisser faire. C'est-à-dire que si nous donnons ce message, c'est que je pense qu'on peut s'en sortir. Je pense qu'on est en train de s'en sortir. C'est assez laborieux, mais on y arrive. Donc, c'est un message d'espoir, de joie, pour avancer de l'évolution. Voilà. Donc, de plus en plus, je pense, de gens vont petit à petit commencer à sortir de leur sommeil. Et puis ils vont essayer de comprendre ces choses-là. C'est en train d'arriver. Il faut encore peur de patience, mais ça arrive. D'accord. Donc c'est pour ça
que nous on est là, hein, toi et moi, et d'autres personnes aussi qui font comme nous. Voilà, je pense qu'on l'avait dit la dernière fois dans l'interview de, dans la première interview que j'avais faite avec toi. Voilà, c'est il faut s'éveiller, se réveiller, comprendre ces choses, les chercher, celui qui cherche y trouve de toute façon, voir ces choses-là d'une autre façon, hein, pas penser que c'est des fausses structures ou des faux dessins ou des fausses analyses ou etc etc. Donc voilà, c'est une ouverture d'esprit, une conscience. Voilà, je crois que tu l'as bien dit, hein, de toute façon. Tu l'as bien dit. Donc voilà. Donc voilà. Donc on s'arrêtera sur ce magnifique Crop Circles. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir un peu décortiqué le sujet des Crop Circles en deux interviews, en deux vidéos, pour que mon public voit qu'il existe toutes ces choses-là, hein, qui sont des choses encore inexpliquées. Mais de toute façon, voilà, sur cette vidéo, sur cette interview, tu as commencé à ouvrir d'autres portes, ça me fait plaisir, et qu'on va développer ces autres sujets petit à petit. Voilà, donc j'espère que tu reviendras. Il faut dire au public que tu es très occupé. Voilà, on a eu du mal à se rencontrer de nouveau parce que tu as un planning énormément chargé et moi aussi. Mais voilà, tu reviendras dans Monde Mystérieux et on continuera à voir toutes ces choses-là qui sont mystérieuses mais magnifiques. Pour moi, c'est des choses magnifiques. Voilà, donc, alors, avant de te laisser, parce qu'on va bientôt se quitter, je te laisse annoncer quelque chose qui va se passer au mois de mars et on fera une autre interview là-dessus, mais je te laisse annoncer au public. D'accord, voilà. Je te remercie Hervé, je te remercie pour ton courage et pour ton implication. Merci à toi aussi. C'est vraiment important, tu as bien compris le message ici, c'est que du positif. Bon, tu avais vu que, moi j'invite les auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo, d'étudier les choses, d'éviter d'avoir des conclusions hâtives. Il n'y a rien de bon à avoir des conclusions hâtives. Il faut étudier le phénomène ou alors se dire « je n'ai pas d'opinion ». Le mieux, c'est de dire « je n'ai pas d'opinion » et ce qui est vrai. Mais donc, arriver à faire des jugements hâtifs comme ça, c'est sûr qu'on se plante. Et ça marche dans tous les domaines, pas forcément dans ce domaine, dans tous les domaines. Donc, en réalité, il faut éviter d'avoir des jugements trop rapides et se contenter d'avoir de plus en plus d'informations, de réflexions. Et si on ne peut pas le faire, ben, on réserve son verdict. On dit ben, « je n'ai pas assez d'éléments pour répondre ». Ce qui est très juste et très sage. Maintenant, face à nos recherches, ça fait des années et des années, nous avons cumulé plein d'informations qui sont vérifiables. Vraiment vérifiable, sur des cartes, avec des écritures cryptées. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose qui peut être vérifié par n'importe qui, indépendant de sa croyance, de sa non-croyance, de ce qu'on veut, importe peu. Un individu qui a une intelligence moyenne peut tout à fait vérifier ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Voici ce qui est en train d'arriver. D'après ces analyses des crop circles, ces analyses d'autres schémas, on en a parlé tout à l'heure, des cartes, et ainsi de suite, et de d'autres formes d'informations aussi. C'est un long parcours, c'est pas arrivé d'un coup. Avec l'analyse de toutes ces données, de croiser les données, il est probable, je dis bien probable, dans les probabilités, qu'une forme de rencontre est en train de se préparer entre des intelligences non humaines et des humains qui se seront préparés. Je ne peux pas dire tous les humains, parce qu'en réalité, si on n'est pas prêt, ce ne sera pas de bonne rencontre. Donc en réalité, pour l'instant, je ne parle que de ceux qui sont intéressés et qui veulent aller de l'avant. Les autres, eh bien, c'est leur choix, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais alors, je parle de cela. Donc il y a une rencontre qui est en train de se faire, de se préparer, non pas réservée à des initiés ou à quelques individus, une rencontre qui est proposée à tous ceux qui veulent aller de l'avant et qui sont capables de passer leurs préjugés, leurs peurs, de paramètres qui sont comme ça. Cette rencontre, comme je disais tout à l'heure, ne se fera pas forcément en premier avec des êtres qui viennent des étoiles. Bon, elle se fera avec ceux qui viennent des étoiles, mais la stratégie a été mise en place parce qu'il y a une stratégie. J'essaie de vous montrer qu'il y a un plan. C'est pas fait au hasard. Il y a une stratégie qui est menée, bien sûr, depuis de longues pistes. Et la stratégie est, d'après les données actuelles de nos connaissances, je le dis bien, probabilité, que la première rencontre va se faire avec des êtres qui viennent des dimensions intérieures de la Terre. Avec ce que j'ai appelé le peuple de la Garda, c'est pour lui donner un... Et donc, c'est en train de se faire. Et les informations que nous avons reçues nous envoient à un point de départ, à un début de cette impulsion, on peut dire. Pas une rencontre, mais un début de préparation
sérieuse. C'est le 28 mars 2016, le lundi de Pâques. C'est très intéressant parce que le lundi de Pâques, dans la tradition chrétienne, c'est la résurrection. C'est-à-dire, ce qui était caché sort. C'est-à-dire qu'en réalité, ouais, on a une résurgence. Ça veut dire ça, ressuscite. Ouais. Nouveau, avec quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme si quelque chose sortait de l'intérieur de la terre et est en train de venir. Et il nous propose une impulsion du lundi de Pâques, 28 mars 2016, où tous ceux et les hommes sur Terre, quelle que soit leur religion, quel que soit leur truc, ça n'importe peu, ça s'en fout, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Même les gens ratés, même les gens qui ne croient pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une bonne volonté, un travail sur soi, bien sûr, hein, une psychologie saine, on peut dire. Il a vraiment envie d'aller à la rencontre des autres. Donc, là, on nous prépare une opération où, ce jour-là, des personnes pourront donner l'autorisation l'autorisation, permettre à ce que ces rencontres puissent commencer à s'initialiser. Et donc ça parlerait dans notre prochaine rencontre où je vais faire une vidéo là-dessus vous accepterez mieux le dossier, mais déjà retenir l'insolite, et c'est pas loin, c'est bientôt, c'est le début de ceux qui veulent un rendez-vous, c'est après dans le futur, mais qui est en train de se préparer et qui est dans, on peut dire, dans la continuité de tout ce qui a été mis en place déjà. Tout ça, c'est les signaux précurseurs. Mais nous rentrons dans une phase beaucoup plus active pour ceux qui veulent la jouer. Voilà. Et voilà, tout à fait. Moi, je rajouterais que ceux qui sont intéressés par cette information, ce premier appel que tu nous as donné, j'invite tout le monde à voir parce que voilà, le travail, encore une fois, de Jean-Michel est hallucinant. J'insiste là-dessus que tu as découvert des choses impressionnantes. Ton travail est super poussé et recherché et c'est hallucinant. Donc voilà, j'invite à tous mes auditeurs de venir, de continuer à regarder mes vidéos et de venir voir cet appel à l'Agartap parce que c'est... voilà, je trouve même pas les mots, mais c'est hallucinant et Jean-Michel a découvert des choses impressionnantes. Alors, voilà. Je vais dire aussi, Sir, que bon, je suis comme porte-parole, je suis un speaker. D'ailleurs, il y a toute une équipe de plein de personnes, de mon Spinozzi. Il ne faut pas croire que c'est sûr que j'ai fait des découvertes. Personnelles, mais elles sont dans un ensemble d'équipes. Et c'est pour la première fois que c'est une équipe, c'est pas un individu. En réalité, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui ont fait des découvertes et qui ils vont de l'avant et qui invitent ceux qui veulent à aller de l'avant aussi. Donc, bien c'est sûr. Un travail de collectif, hein, c'est pas un travail personnel. Ça, c'est bien sûr. Mais voilà, je salue, je te remercie pour tes participations et nous expliquer tout ça, parce que voilà, comme tu l'as si bien expliqué, le monde est en train de changer, il faut ouvrir l'esprit et il faut s'intéresser à ces choses-là, parce que voilà, ça arrive à vitesse grand V, hein, donc on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, donc si t'as quelque chose à rajouter peut-être avant de nous quitter. Une seule chose, Hervé. Ouais, dis-moi. Que la force soit avec vous et qu'elle reste. Eh ben, merci, Jean-Michel. Et à toi aussi, bien sûr. Hein, à toi aussi. Et je te remercie infiniment d'avoir participé encore à une vidéo pour Monde Mystérieux, d'avoir fini le thème sur les crop circles, enfin fini entre guillemets, parce que voilà, on peut, comme tu as dit, on peut en parler pendant des heures. Donc pour que le public voie que c'est encore un sujet passionnant et interminable. Donc je te remercie encore une fois, ça me fait très plaisir, ça me touche. De toute façon, on se revoit bientôt. Et j'invite mon public à rester nombreux sur ma chaîne, à continuer à voir mes vidéos et vous allez être vraiment surpris de ce qui va arriver prochainement. Voilà Jean-Michel, je te laisse, je te dis à très bientôt et restez nombreux sur Monde Mystérieux, vous allez voir des vidéos assez impressionnantes et des vidéos très mystérieuses avec des histoires mystérieuses. Voilà, merci à tous et à bientôt sur Monde Mystérieux. Merci Jean-Michel, hein. À bientôt. Hein. Okay. Au revoir, merci. Allez, au revoir.